Salutations, salam à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, ce soir, on a inauguré, mon nouveau générique hein, qui peut-être me mettra 5 ans de sursis ou une expulsion définitive de YouTube. Donc, on va commencer à prendre des risques. On n'est pas en dictature, non. Non. Un petit peu quand même, ouais. Mais non. Mais ça va s'aggraver, ça va s'aggraver. Complètement. Alors, avant de présenter notre invité, donc ce soir, on a avec nous, on va faire honneur aux dames, Shermin. Comment tu vas, Shermin? Ça va, alhamdoulilah. Bonsoir à tous. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Ça va super. Mehdi, comment tu vas, frérot? Ah, ça va, alhamdoulilah. J'aime beaucoup le nouveau générique. Dans un film. Ouais. Je savais que tu allais aimer. Je savais que tu allais aimer. Il est bien, hein? Ouais. Ah, c'est excellent. Et c'est un frérot qui me l'a offert. Parce qu'il y avait un Il premier travaillait qui m'avait combien? dit. C'est un frère. Il travaillait pour Daesh avant, c'est ça? Ouais, mais on parlera de ça en off, mais dis doucement, pas maintenant, doucement. On va monter au fur et à mesure. Ça commence bien. Je t'ai dit, Gérard, ici, c'est la provocation, mais à 200%, tu vas te faire plaisir. Et Aya me dit, justement. psoui Ouais, mais doucement. Alec, tu vas te faire expulser vite fait, toi aussi, avec ton ami, là, Zayed. Vous allez vous retrouver dans le bateau qui va en Tunisie, là. Il ne faut pas parler de Daesh, moi, je m'en fous. Un mag pour un bien. Et on a notre invité, je vais quand même te présenter Gérard. Avec nous, Gérard Fauré. Enfin, j'ai même plus besoin de te présenter. Je pense que la France entière t'a connu il y a 2, 3 ans de ça avec la sortie d'un premier livre Et et d'un continue à me deuxième. connaître, ouais, parce Et que d'un je les lâche troisième pas, moi. que je vais présenter justement. Donc, on a le premier, dealer du Tout Paris, fournisseur des Star Parle. Le deuxième, le prince de la coke. Voilà. Le troisième, l'éducation d'un voyou. Celui-là est un petit peu plus Ça, balèze c'est et. le meilleur. Bon, pour C'est. moi, c'est le meilleur. Moi, j'ai bien aimé le deuxième, mais le troisième, il est pas mal aussi. J'ai bien Ah aimé le deuxième. ben, si tu avais été marocain, tu l'aurais adoré, hein. C'est peut-être Non, aussi mais pour ça. ce que je dénonce dans ce livre, ça a été prouvé, quoi, avec l'affaire Pegasus et tout. Et maintenant, les Israéliens, paraît-il, vont construire une base militaire israélienne au Maroc, en association avec les Marocains, juste à la frontière algérienne, juste pour emmerder un petit peu les Algériens et les Espagnols. C'est à côté de l'Espagne, de Melilla et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu. Bah, j'avais dit que Hassan II était juif et c'est pas une tare. Hein. Moi, je trouve que c'est très bien pour le Maroc. D'ailleurs, les Tunisiens aussi, vous aimez beaucoup les Juifs. Hein. C'est vrai. Peut-être pas tous. Joker, Joker. Bon. Un peu moins chez nous, un peu moins chez nous en Ouais. Algérie. Ah, Oh, vous je les avez gâtés hein, quand ils étaient chez vous. Hein. Vous les avez gâtés. Et d'ailleurs, les Juifs tunisiens, ils adorent la Tunisie. Hein. Moi, Oui, j'ai jamais ça c'est vu un vrai, Juif ça. tunisien qui me dit j'aime pas la Tunisie. Ça c'est Jamais. vrai. Ils ont été Par bien contre, traités. Au Maroc, c'est pareil. c'est Voilà. vrai. Bah, Et moi, donc. j'ai un ami d'enfance. Moi, c'est un juif tunisien. Pareil, Ouais, hein, c'est des il vit au séfarades, Canada. c'est des Ouais. séfarades, c'est des frères. C'est les Ashkénazes qu'on n'aime pas trop, là, les sionistes. Eux-mêmes, ils sont maltraités en Israël. On les appelle les Arabes. Il y a 1 million de Juifs marocains en Israël qui maintenant veulent retourner au Maroc. Bah oui, parce qu'au Maroc, ils sont traités à égalité. En Israël, on les traite comme des merdes. C'est les Bah, Juifs ashkénazes qui viennent de Russie, d'Ukraine aussi, et tout ça, quoi. Les plus grands racistes du monde. C'est vrai, exactement. Alors, voilà. C'est raciste et suprémaciste. Faut bien le Ouais, préciser, ça aussi. suprémaciste aussi, bien sûr. Et donc, moi, je dis, ce tome 3, là, pour moi, c'est une perle. Voilà, je dénonce des trucs qui On va commencer existent et justement que, dessus, ouais. voilà. Bah, On va en justement, bah, parler je tout te. à l'heure. Bah, je te pose la première question, hein. On va commencer par ce sujet-là, c'est-à-dire revenir sur son troisième livre. Après, moi, je te poserai quelques petites questions sur des choses que tu as vécues, que tu as mis dans ce troisième livre. Mais Ouais. on va directement parler justement du Maroc, de sa Ouais. situation actuelle Ah, ça me fait plaisir. et de ce que toi, tu as pu vivre là-bas. Et j'en profite, juste avant de commencer, pour saluer tous les gens du chat, Mehdi Boubou, Zozo qui dit qu'elle a lu tous tes livres. Pareil, y a des gens ici qui suivent la cadence. Tchadistan, Majestueuse Gouza,
Nadia Hammadi, Eden, New Foxtrot, je vous salue tous et on va pouvoir commencer à Amaury de Montfort. Donc je salue tout le monde ce soir, j'espère que vous allez tous bien. On va pouvoir commencer. Donc Gérard, je te laisse commencer sur nous expliquer un peu ton parcours. On va pas commencer de la naissance, mais ce que, des moments forts que tu as pu vivre au Maroc et qui aujourd'hui font que le Maroc, il se passe des choses bizarres dont on va revenir, notamment le conflit au Sahara, toutes ces choses-là. Ce sont lesquelles on a échangé au téléphone. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses du Maroc aujourd'hui? Je pense que c'est le pays qui marche le mieux, d'accord? Et il faut le dire Dans le grâce aux monde ou en Juifs. Afrique? En Afrique, bien En sûr, Afrique, par ok. rapport à l'Algérie, par rapport à la Tunisie, on n'a pas eu de printemps arabe là-bas. En Algérie, ils ont eu 200 ou 300 000 morts, guerre civile et tout. Le Maroc, ça va. Parce que, il faut dire une chose, j'aime pas trop le roi, j'aime pas sa physionomie et tout. Mais c'est un bon roi pour ce pays, bien qu'il ait volé quelques milliards, il est devenu la quatrième fortune du monde, alors qu'avant, son père est mort, Hassan II, il était 155, numéro 155 fortune du monde. Voilà, donc là, bon, cet argent, où est-ce qu'il l'a pris, quoi? Bon, après, franchement, il fait beaucoup de bien à son pays. Je suis obligé de le dire parce que je ne suis pas un hypocrite. Et voilà, je suis sincère, je dis les choses comme je les pense. Le Maroc, c'est un pays qui tourne très bien et qui va devenir probablement plus riche que l'Afrique du Sud bientôt, quand le pétrole du Sahara, les phosphates, le gaz du Sahara seront exploités par les Israéliens. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Je ne suis pas amoureux des Israéliens, mais je les respecte. Voilà. Parce que là où il y a du juif, il y a de l'argent, il y a de la prospérité. C'est la vérité. Le C'est vrai, non, mais Maroc. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité. Le Maroc, quand les Français ont quitté le Maroc, les Juifs sont restés, pour la plupart. D'autres sont partis parce qu'ils avaient peur. Il y avait la guerre avec Israël et tout. Et le roi a gardé tous ses conseillers financiers, les grands banquiers sont tous juifs. Et c'est ce qui fait que le Maroc, il est bien coté dans le monde entier, à tous les niveaux. Il est bien coté. C'est un pays qui marche, qui roule, qui tourne bien, qui est, voilà. Et bon. Il faut le dire, c'est grâce aux Juifs. Et là, je pense que grâce aux Juifs encore, le Maroc va exploser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, déjà, il faut le dire aussi, les Algériens n'ont pas arrêté de menacer le Maroc. Moi, j'aime bien le peuple algérien. J'ai beaucoup d'amis algériens ici. Mais ceux qui dirigent là-bas, en plus, c'est des chaouis, c'est les gens les plus méchants. On peut les comparer aux Prussiens, d'Europe. C'est des militaires, des guerriers, ils cherchent que la merde, que la guerre. C'est pour ça qu'ils ont dépensé des centaines de milliards d'euros pour acheter des armes au lieu de construire des industries, de faire de l'agriculture, de tas de trucs. Voilà. Ils ont acheté des armes qu'ils ont mises en face à la frontière du Maroc pour faire peur au Maroc. Pourquoi chercher la guerre quand on peut vivre en paix? Ils sont frères de religion, frères de tout. Pourquoi se battre? Ah, c'est ça la question. Donc, je pense hein, que Mohamed VI, il en a eu marre et donc il s'est allié aux Israéliens grâce à Trump aussi. Et maintenant, il les fait rentrer au Maroc et paraît-il, ils ont le projet de construire une base militaire israélienne juste à la frontière de l'Algérie, tu vois? Pour faire un peu peur aux Algériens et à la frontière de Melilla qui est espagnole. Parce que ce sont les deux seuls ennemi du Maroc, c'est l'Algérie et aujourd'hui l'Espagne. D'accord? Alors, quand on Donc. dit l'Algérie, excuse-moi, je te coupe, Gérard, quand on dit l'Algérie, on le précise bien, on le redit, hein, Gérard l'a dit, donc moi je le reprécise, c'est le gouvernement algérien. Et de toute Ah, mais façon, tout oui, à bien l'heure, sûr. ah Bien oui, sûr, le mais, peuple n'est pas d'accord. bien sûr. Mais le peuple, qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'école? La haine de la France, la haine du Maroc. Mais pourquoi? Il va falloir que ça s'arrête. Imagine-toi, l'Algérie est un pays pétrolier et gazier. Très, très riche. Pourquoi c'est un des pays les plus pauvres? Pourquoi les gens se sauvent de ce pays pour aller travailler au Canada, n'importe où dans le monde? Il y a 400 000 Algériens qui ont quitté l'Algérie pour aller travailler au Canada, Ouais, Canada c'est vrai. francophone. J'étais au Canada, Pourquoi? j'ai vu tous les restaurateurs là-bas, c'est des Algériens, ouais. Ben oui, alors pourquoi tu verras jamais un Saoudien, un Qatari ou un Émirati aller travailler comme ouvrier dans un pays étranger, jamais. D'accord?
Alors pourquoi l'Algérie, qui a autant de pétrole et de gaz que tous ces pays-là, pourquoi ils sont dans la misère? Parce que tout l'argent, ils le volent. Les Algériens, le peuple algérien, j'ai absolument rien contre eux. Je sais que même, ils sont contre la politique actuelle. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont se faire massacrer. Ils peuvent rien faire. Voilà. Et donc maintenant, le roi a eu la bonne idée d'installer, ou ça va se faire, je ne sais pas, une base militaire israélienne, israélo-marocaine, hein, ensemble, et une base militaire américaine qu'on est en train de démanteler en Espagne, Rota, ça s'appelle. Moi, je connais bien Rota, j'ai habité à côté, j'allais tous les jours voir les bateaux de guerre et tout. C'est comme une ville, c'est presque aussi grand que Cadix, Rota. Et cette base-là militaire américaine, la Marina, hop, elle est transférée au Maroc. Alors les Algériens, je crois qu'avant d'attaquer le Maroc, ils ont intérêt à réfléchir. Hein. Déjà, avec Tsahal, l'armée israélienne, ils vont pas rigoler. Alors moi, D'accord? j'ai juste une question avant de laisser la parole à Mehdi et Charmine, puisque Mehdi est algérien et justement, il dénonce beaucoup tu vois, la Le situation du peuple système. algérien, etc. Ouais, C'est carrément. comme Salem Laibi aussi. D'ailleurs, je vais le voir bientôt. Je vais faire une conférence avec lui à Marseille. Salem D'accord. Laibi, il n'arrête pas de critiquer parce qu'il Bien sûr, est ouais. malheureux. Il voit son pays qui part en couille alors qu'il y a du pétrole, du gaz. Il faut arrêter, quoi. Merde. Il Grave. faudrait qu'un jour, il se décide à faire quelque chose pour le pays au lieu d'acheter des armes, des armes, des armes en désignant le Maroc comme ennemi. Alors que le Sahara, il a toujours été marocain dans l'histoire. Il a été mauritanien et donc marocain. Voilà, c'est tout. Et Alors moi, je moi suis j'ai prêt à donner ma vie pour que le Sahara marocain reste. Parce que mon père était médecin militaire. Il était à la frontière du Sahara avec les Espagnols. D'accord? L'armée française était là-bas. Et mon père, il parlait toujours de que le Sahara était marocain, mauritanien, marocain. Mais voilà, mais les Algériens, ben, parce qu'ils ont un intérêt, les Algériens, le pouvoir algérien veut le Sahara pour avoir une porte sur l'Atlantique. Et voilà, alors ils entretiennent la guerre. Voilà, depuis qu'ils ont l'indépendance, ça fait 60 ans qu'ils font chier les Marocains. Mais putain, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter un peu? Oh, la paix, construisez, faites un Maghreb uni. Grave. Mais non, il n'y a pas Exactement. moyen avec ces chaouis-là qui tiennent le pouvoir. Tant qu'ils seront là-bas, ça n'ira pas. Les gens se Alors sortent pour même à la nage pour aller en Europe. justement, après, on va y revenir avec Mehdi. On a beaucoup échangé sur ça sur ma chaîne. Moi, j'ai juste une question, justement, avant de laisser la parole à Mehdi. Gérard, moi, j'ai travaillé au Maroc, c'était en 2009, 2000, ouais, 2010. J'ai fait Ouais. 6 mois entre Agadir et quelques mois entre Agadir et Marrakech. À l'époque, Ah, j'étais dans le la plus tourisme. belle partie du Maroc, ça. Ah, mon Aïe, gars, aïe, Agadir, rien à dire. Et sur mon badge à l'hôtel, il n'y avait pas écrit Ziad, il y avait écrit Roya. Tu vois, ils avaient écrit ça direct. Khoya. Roya. Et Khoya, ya Khoya. Ben, frérot, frérot. je te Mais jure. tu sais, je Et voulais moi. dire aussi, pour en revenir vite fait à l'Algérie, Ouais. le pays aurait pu s'enrichir depuis l'indépendance, mais il y avait Boumediene. Boumediene, c'est le hyper nationaliste. Il faut savoir qu'avant lui, c'était Ben Bella qui était marocain, d'origine marocaine. Mais ils l'ont D'accord. viré. Boumediene, il y avait à l'époque Onassis, c'était l'homme le plus riche du monde. Il avait toute la flotte pétrolière du monde. D'accord? Il a proposé à Boumediene de reprendre la base militaire française qui avait 30 étages de sous-sol, Mersel Kébir, tu connais? Il a proposé, il lui a dit, vous me laissez le port, je vais en faire le plus grand port pétrolier du monde, je vais vous faire travailler 150 000 Algériens. Il a dit, non, on ne veut pas d'étrangers chez nous. Après, c'est Holiday Inn qui a dit, laissez-nous votre côte, on va mettre des hôtels, des villes comme Marbella, tout ça, et tout ça, on va faire travailler au moins 200 ou 300 000 personnes. Non, n'y est pas question. Et entre-temps, eh ben, ils achetaient des usines clés en main aux Russes qui sont en train de rouiller, de pourrir là, qui n'ont servi à rien. Parce qu'à chaque fois qu'ils achetaient quelque chose, ils touchaient 10 ou 20 % de commission. Voilà, les gouvernants. Et puis pendant ce temps, les Algériens, les jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Ils font un peu de trabando, tu sais ce que c'est le trabando. Ouais, Contrebande et tout. bien sûr. Ils vivent de ça. Et puis quand ils peuvent, ils se sauvent à la nage ou en bateau, en Europe. C'est dramatique. Alors moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que, pour revenir sur le Maroc, est-ce que, moi, c'est un constat que j'avais fait à l'époque parce que j'étais au moment où ça commençait à évoluer, je voyais des travaux de partout sur Agadir, sur Marrakech aussi.
Ah ouais, ça marche, t'as vu les autoroutes et tout, oh là là, Ouais, c'est incroyable ce pays. c'était déjà en Ils ont 15 2009. TGV, des TGV. C'est Ouais, le seul pays d'Afrique qui a des TGV. Pas mal, hein? c'était le début des grands changements, justement, dans début des années, Ouais. transition, début des années 2010. Et je me suis posé une question, est-ce que le Maroc, ça va pas devenir, au vu de son évolution, etc., est-ce que c'est pas amené à devenir, on va dire, le Dubaï d'Afrique? Si, si, si. Dans notre style, mais si, mais c'est Ouais, dans ça. notre style, ouais, C'est ça, beaucoup plus dans un autre traditionnel, style. beaucoup plus, parce que le Ouais, Maroc, c'est ça le truc, bien c'est sûr. qu'ils savent évoluer, c'est-à-dire au niveau du territoire, au niveau de l'aménagement du territoire, mais ils gardent leur tradition, c'est ça qui est bien, c'est ça que je Oui, kiffe. exactement. Mais non, mais il y a aussi un truc, c'est que le peuple marocain, c'est un peuple formidable, comme les Oui. Tunisiens d'ailleurs. C'est des gens pacifiques, tu comprends? Très chaleureux et hospitaliers. Moi, je trouve que le peuple marocain, c'est un des meilleurs peuples du monde. Ils sont tellement gentils, ces gens-là, et hospitaliers. Le mec, t'as pas à manger, il te dit troll, troll. Il y a la Ouais. koulma, la sec, bouffe, bouffe. Ouais. Il y a à manger. Il a un morceau de viande dans le Moi, frigo, il va te le donner. Et lui, il va manger des patates. j'ai des souvenirs, je te Ah, jure, le DJ de l'hôtel, tu il peux habitait avoir dans que des bons une. souvenirs, hein, c'est sûr. Ah ouais, c'est un pays formidable. Je m'en souviendrai toujours des souvenirs qui remontent, mais bon, sinon on va jamais s'arrêter. Mehdi, est-ce que tu voulais revenir sur justement un peu enfin, sur ce côté de l'Algérie, etc. Ouais, en effet, ouais, ce On ne qu'il peut dit, pas voir son c'est visage. factuel. On ne peut pas voir son visage. C'est pas qu'on peut pas le voir, c'est que si je le mets, ça va bugger. Ah oui, Ah c'est merde, c'est pour vrai, ça que j'ai il y a retiré une la caméra. connexion. Ouais, c'est pour ça que j'ai retiré la D'accord, vas-y, caméra. ok. C'est bon, c'est bon. Ça va? Ouais, Ouais, donc, ouais. comme je le disais, ce qu'il dit, c'est factuel. C'est-à-dire Exact. que. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. En effet, le pays en Algérie, depuis l'indépendance, il n'a jamais évolué. Rien, voyou. On a vraiment des dirigeants qui Qui n'aiment sont pas l'Algérie, complices et ils aiment que proches leur compte en au banque en détriment. Suisse, c'est tout. Exactement. Ils envoient leurs enfants à l'étranger, étudier dans les plus grandes Exact. universités, etc. Et le peuple algérien, lui, c'est clair, il est en souffrance. Alors que, comme l'a dit Exact. Gérard, il y a du gaz, il y a du pétrole. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont beaucoup de chance parce que, mine de rien, quand il y a eu le Hirak récemment, entre-temps, il y a eu le Covid qui est venu, ça a permis de casser la Ouais, dynamique. exact. Là, récemment, il y a le baril du pétrole qui est en train de monter, donc ça va, ils arrivent un petit peu à camoufler les choses aussi. Non, j'ai cru comprendre qu'il était redescendu à 100, 100 $ le baril. Ah, elle est redescendue? D'accord. C'est ce que j'ai vu, hein. Moi, je ne sais pas. Ok. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et il n'y a pas que le pétrole et le gaz, il y a le tourisme. Si les Algériens s'étaient lancés dans le tourisme, mais c'est un tellement beau pays du côté d'Oran et toute la côte et tout, même le Sahara, le Ténéré, le Hoggar, tout ça, ils auraient des millions de touristes. Mais seulement personne veut aller en Algérie parce qu'ils ont peur. C'est tout. Non, Ils ont peur de ils ont fermé la porte ce au pays tourisme, c'est fait peur. clair. Oui, il fait peur. Il a travaillé, il y a une histoire difficile après la décolonisation, entre guillemets. Il y a une histoire très difficile, donc forcément, Ah, mais c'est difficile difficile de. en quoi? La France Non, mais leur a laissé un pays construit, qui exportait je. et qui était pas en déficit. Non, je parle difficile. Je vois pas en quoi. Je parle de la décennie noire. Je parle des problèmes politiques qu'il y a en Algérie. Je parle de la décennie noire. On peut le dire clairement, c'est ça qui a fait peur en Algérie. C'est le terrorisme. Quand tu dis que l'Algérie, elle fait peur, les gens ne sont pas en sécurité. C'est ça que tu veux Eh dire. ben c'est ça, oui, bien sûr, Voilà. parce qu'il y a la guerre civile, il y a Exactement. plein de. Non, mais c'est ça. Non, mais en plus, il faut dire qu'il y a pas mal d'Algériens en France qui font des conneries, hein. Et il n'y a pas qu'en France. En Belgique, en Suisse, partout. Quand tu les vois pour un match de football, ils cassent tout. S'ils gagnent, ils cassent tout. S'ils perdent, ils cassent tout. On fait quoi, là? Et le drapeau algérien, sans arrêt, comme l'a dit Salim Laibi dans une émission il y a 2 mois. Il a dit, mais arrêtez avec votre drapeau. Pourtant, il est algérien, lui, hein, et fanatique même. Il dit, mais arrêtez, vous ne savez même pas ce que signifie votre drapeau. Vous l'honorez, vous le montrez à tout le monde. Mais si vous aimez tant votre drapeau et votre pays, mais allez vivre là-bas. Indonésie, Aidez bah le pays à construire. Aidez-les à construire ce pays. Vous avez probablement tous des métiers en France.
allez aider votre peuple algérien là-bas, vous l'adorez ce pays. Ben voilà, mais il faut qu'ils arrêtent leur nationalisme à outrance, exacerbé. C'est ridicule, c'est ridicule. Jamais ouais. Tu verras, tu peux voir un ou deux Marocains avec le drapeau ou un Tunisien de temps en temps, mais eux, c'est, oh là là, c'est incroyable. Quand il y a un match de football ou quoi, ils sont hyper tendus, les mecs. Vas-y, que les voitures qui klaxonnent et tout pour un match de football. Ils sont allés en Égypte, ils ont tout cassé, et pourtant, ils avaient gagné. Non, mais c'est du délire, ça. Après, le nationalisme, c'est concret. D'autant que, comme il le dit, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, ça sort les drapeaux, ça s'excite voilà. dans des situations… Mais ils ne vont pas en Algérie. Mais ils n'y vont pas. Ils la quittent à la nage, quasiment. Oui, ouais, complètement. Exactement, voilà, c'est ça. Alors, il faut qu'ils arrêtent un petit peu. Il faudrait qu'un jour, ils se mettent en face d'un miroir et qu'ils se posent des questions. Mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? Parce qu'ils se font très mal voir par le monde entier. Tu dis Algérien, en Angleterre, en Hollande, moi j'ai vécu dans tous ces pays, en Allemagne, oh là là, c'est comme tu parlais du diable. C'est dingue, hein. C'est à cause d'une poignée. Je ne dis pas que tous les Algériens, j'en connais un paquet, moi, ils sont formidables. Ils sont aussi bien que les Marocains, voilà, on va dire. Il y en a plein, mais il y a vraiment quelques têtes de cons qui pourrissent tout. Et les gens, quand tu leur parles d'Algérie, c'est comme si tu leur parles de l'enfer. Ah non. Alors, juste un truc, Gérard, par rapport aux gens du chat, parce qu'on est en train de parler d'Algérie, il y en a qui le prennent mal. Calmez-vous, on se détend. Prenez un thé. Voilà, ils le prennent mal. Pourquoi ils le prennent mal? On ne peut pas dire la vérité avec ces gens-là. Pourquoi? On n'est pas du tout en train de dénigrer, on est en train de faire des constats de réalité sur le terrain avec des gens comme Mehdi qui ont été là-bas pendant plusieurs mois là, dernièrement. Gérard qui justement était. Bah, en plus, Gérard, toi, tu étais dans le sac à l'époque. Le sac, il y avait beaucoup de gens qui étaient récupérés de l'Algérie. Donc, tu vois, les histoires, tu en as entendu parler. Tu as vu des gens. Activiste dans certains mouvements d'Algérie. Donc il y a des gens qui Salim sont... Laïbi, comme il a dit. Oui. Salim Laïbi qui est un Algérien, un vrai Dziri, un vrai Kabyle. Un vrai qui, de vrai. Hein. Mais lui, vrai. Bah, il critique l'Algérie parce que voilà, pourquoi on ne va pas critiquer? On critique bien la France. On est en train de critiquer le gouvernement algérien. Voilà. Mais attention, il y a une réalité aussi, c'est que, ce que tu l'as dit Gérard tout à l'heure, mais je vais apporter une nuance. Il y a beaucoup de, on va dire... De tarter du cerveau du côté du Maroc et de la Tunisie aussi, hein, qui sortent les drapeaux pour rien. Ça, mais, c'est sûr, évidemment, comme la France, comme les institutions françaises, c'est des vicelards et qu'il y a un passé avec l'Algérie, un passé difficile, bah, ils mettent les Algériens en avant. Voilà. Donc, ouais, je sais ça. Tout ça, c'est du vice. Mais bon, après, voilà, on n'est pas là pour. On n'est pas en train de critiquer quoi que ce soit, on est en train de discuter, non, c'est un échange. C'est même pas un débat, c'est un échange. On fait des constats, c'est tout. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine. Moi, j'aime bien l'Algérie, j'adore ce pays parce que c'est un très, très beau pays. Mais voilà, il y a des choses qui ne vont pas et c'est la faute du gouvernement. Pourquoi les jeunes, là, qui, je sais pas, qui te parlent, qui chattent, pourquoi ils vont dire « Ah, ouais, ils sont toujours en train de gueuler, mais là-bas, pourquoi ils n'y vont pas ?» Alors, puisqu'ils adorent tellement leur pays, moi, je ne leur dis pas de quitter la France, ils sont les bienvenus en France. Mais puisque vous aimez tant que ça votre pays, les mecs, allez aider votre pays à se construire. Mais Gérard, tu sais que nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter sur ma chaîne avec Mehdi, justement. On n'arrête pas de dire ceux qui disent sans cesse « mon bled », ah ben rentre au bled, regarde. Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Mali, Argentine, Pérou, peu importe. T'aimes ton pays d'origine, enfin d'origine de tes parents. Vas-y. Ouais, bien sûr. Là, tu vois, si. Ben ouais, mais voilà, il y en a, ils ont une pois chiche dans le cerveau. Ouais, ouais, carrément. Alors, c'est ça le problème. Charmine, si tu veux rajouter. Je voulais revenir sur le Maroc. Ça fait plaisir. On va laisser l'Algérie de côté, ça va. On a dit ce qu'il y avait à dire. Je t'écoute. Ouais, alors du coup, moi, quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait les Israéliens qui étaient très présents au Maroc. Moi, quand je vois l'Israël, je pense forcément après aux Occidentaux qui manipulent aussi le Maroc. Parce qu'effectivement, il y a de l'évolution au Maroc. Mais alors, moi, je viens du côté Est. Donc, c'est vrai qu'à l'Est, à l'époque, c'était très rural. Il y avait beaucoup de quelle ville? Tu viens de quelle ville? Oujda, Berkane, tout ça. Ouais, bah, t'es tout près de l'Algérie, toi.
Ouais, c'est ça, c'est la frontière algérienne. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, à l'époque, il y avait quand même pas mal de zones protégées aussi. Je pense au fleuve Moulouya, tous ces coins à côté. Ouais. Ils ont tout détruit pour mettre des complexes hôteliers, des qui, les Marocains. Des boîtes de nuit. Ouais, les Marocains. Bah oui. Donc ça a tout dénaturé. Oui, mais les tourisme, après ça les rapporte, gens. Hein. Ouais, bien sûr que ça rapporte, mais ça dénature ça tout. Ça fait, en fait plus de 500 000 personnes hein, le tourisme au Maroc. Ouais, tout à fait. 000, mais alors du coup, voilà. Ça dénature beaucoup de choses. Alors je veux pas écologiquement aussi, ça a tout détruit. Il y a des gens, les gens qui respectent rien, les RME surtout qui viennent en vacances. Ils arrivent avec leur jet ski, ça tue des oiseaux, des machins, ça devient n'importe quoi. Ça, je suis d'accord avec toi, ouais, là-dessus, 100%. C'est pas normal. Donc, c'est non, bien de faire venir les gens, il n'y a pas de faire. Mais... Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça ou crever de faim? Bah, le problème avec le tourisme, c'est comme chaque chose. À partir du moment où ce n'est pas maîtrisé, bah, ça devient n'importe quoi, en fait. Bah, exactement, et ça, c'est dans tous les pays, tu n'as qu'à voir l'Espagne. Ça. L'Espagne, c'est du béton partout et tout et tout. Ben, ils se rattrapent maintenant, ils se rattrapent. Mais, c'est ce qu'ils veulent faire aussi au Maroc. C'est ce qu'ils veulent faire au Maroc. Ben, ils sont en train de le faire. Hein. Ben oui, mais les gens, au moins, ils ont du boulot, ils ont du khoubs, ils ont de quoi manger. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent à la nage. Il y en a, mais pas beaucoup qui partent à la nage pour rejoindre l'Europe hein, là-bas. Ils ont du boulot. Bon, ils ne sont pas très, très bien payés. Mais au moins, ils vivent, ça va, chez eux. Voilà, ils sont dans leur bled, ils sont chez eux. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir vivre chez soi, même si tu ne vis pas dans un immense confort. C'est l'essentiel, c'est d'être chez soi. Voilà. Et pour te dire, Israël, tu disais Israël, c'est l'Europe, c'est ça, non c'est enfin, moi, je dis oui, bien sûr. Il y a une espèce de manipulation du Maroc par rapport oui, à ça, je pense. Oui, mais attention, il faut savoir qu'Israël, il y a deux Israël, d'accord. Il y a l'Israël des sionistes, des Ashkénazes, et il y a l'Israël des Marocains. Il y a plus d'un million de juifs marocains, de juifs tunisiens et de juifs algériens. Il y en a au moins 1,5 million, 2 millions, presque un tiers de la population. Et ouais, des Éthiopiens bien aussi, sûr. Mais ça, c'est pas, ils ne sont pas de chez nous. Mais je te dis, c'est eux qui ont fait la fortune d'Israël, mais maintenant, ils aimeraient bien retourner au Maroc et en Tunisie. Et même en Algérie, mais on ne les autorise pas en Algérie. C'est dommage. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. D'accord ? La Palestine, moi je l'ai dit une fois à Abdel Zahiri, je ne sais pas, tu dois connaître. Oui, ouais, je vois c'est qui. Il m'a énervé parce qu'il me parle sans arrêt de la Palestine. D'accord, on sait ce qui se passe en Palestine, ok, mais on ne peut rien y faire. Parce qu'il y a 1 milliard d'Arabes autour d'eux, il n'y a pas un seul pays. Merci Gérard, voilà, merci. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Et voilà. Ils n'ont pas bougé et même ils ont fait tous la paix avec Israël, même l'Arabie Saoudite. Ils normalisent leurs relations. Israël, et maintenant, ils sont devenus les meilleurs amis du monde parce qu'il y a les Iraniens à côté. Alors, ils rafouent, ils ont peur. Et alors, ils sont bien avec Israël qui a une centaine de bombes atomiques et ils font copain-copain. Alors, donc, attends, Gérard, c'est foutu, Gérard, pour eux. Deux petites secondes. Fatia 92, franchement, je t'aime bien, machin, mais hey, franchement, calme-toi. Là. Calme-toi, je vais te bloquer, tu vas aller faire un tour ailleurs. Moi, vous savez comment ça fonctionne ici. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, et tous les Marocains qui vont à la nage en Espagne, la prostitution, la pédophilie. On n'est pas là pour parler de ça. Mais ça non. Y est, on est passé sur autre chose. Calmez-vous, je vais commencer à les habituer de la chaîne. Là. Le problème, c'est que quand on discute de ça, ça devient une espèce de rivalité algérienne. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de rivalité, chacun. Attends, l'Algérie, normalement, ça devrait être le pays le plus riche d'Afrique. Avec son pétrole et son gaz. La rivalité, pourquoi la rivalité? Chacun, il fait ce qu'il peut. Le Maroc, il a du pétrole, il a de l'agriculture et tout, il vit bien. Mais pourquoi la rivalité? Et au contraire, ils devraient s'unir pour être puissants. Tu vois pas, toi, le Maghreb uni avec la Libye et tout, mais ce serait une puissance mais extraordinaire. Ils ont tout ce qu'il faut pour être riches. Voilà. Mais pour en revenir aux Israéliens, ils rêvent de revenir dans leur pays d'origine. Ils sont plus tunisiens, algériens ou marocains qu'israéliens. Bien sûr. Ils ont quitté à l'époque l'Algérie parce qu'on les a foutus à la porte, la Tunisie, le Maroc parce qu'ils avaient peur. Il y avait la guerre entre Arabes et Juifs et tout ça. Ils ont eu peur, mais il ne s'est rien passé. Au Maroc, on n'a jamais tué un Juif ou quoi, donc ça a toujours été le bonheur pour les Juifs. Mais ils ont quitté quand même et maintenant ils veulent revenir. Voilà, parce qu'ils se disent, putain, là-bas, en Israël, on nous traite comme des chiens, comme voilà.
comme des Israéliens de seconde, même troisième catégorie. Et ils veulent revenir. Voilà, ils adorent ces pays parce qu'ils ont vécu des centaines, des milliers d'années ensemble, les Juifs et les Arabes. C'est des cousins, d'accord ? C'est des cousins, et c'est des sémites. Quand on dit antisémite, un arabe, c'est un sémite aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est les fils de Sem, sémites. Donc voilà. Et ça, moi, quand on parle d'Israël, je dis attention, les mecs, c'est comme en Algérie. Quand on parle de l'Algérie, je dis attention, ce n'est pas le peuple. Le peuple, il ne demande pas ce qui se passe. C'est le gouvernement. Et en général, c'est des Chaouis qui sont méchants, ils n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les Kabyles. Les Chaouis, ils ont le pouvoir en Algérie, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que c'est un des plus beaux pays du monde même. Et voilà, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Les gens sont obligés de se sauver. C'est incroyable, quoi. Voilà. Bah, on va bah, sur ce Charmine, point, tu parles de... plus, ça y est, du Maroc. Vas-y, Zid, parle du Maroc. Charmine, termine, après on change de sujet. Ouais, comme ça. Charmine, est-ce que tu as lu mon tome 3? Non, je n'ai pas lu. Eh bien, tu devrais, puisque tu es concerné. Dans mon tome 3, je dis que Hassan II, il était juif. Alors, je voulais justement poser une question par rapport à ça, parce que ça fait… Enfin, il y a voilà, l'éducation d'un voyou. Hein? Merci. Ben, je le lirai alors. Voilà. Il était juif et son fils, il est un peu juif, Mohamed VI. D'accord. Et mais j'avais une question par rapport aux origines. Par rapport aux origines de Hassan II, oui. Parce qu'à l'époque, j'avais un ami qui était chérifien aussi, la famille ouais. Belkhayat, hein, ouais. Une des familles quand même assez connues au Maroc. Et ouais. Il m'avait expliqué qu'apparemment, Hassan II avait des origines sénégalaises. Oui, 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 très vrai, très vrai. Mais justement, sa mère, c'est une descendante d'esclaves affranchis, ouais. D'accord ? C'est une berbère, mais qui vient... Les kahlouches, là, les khanfous, les noirs, en général, ils viennent de Mauritanie ou du Sénégal, c'est tout près. Mais c'était des esclaves, d'accord ? Donc, je t'explique. À un moment, la France en avait marre de Mohamed VI, V, pardon, Mohamed Khamis. Mon père était son médecin, médecin du Palais Royal. Et donc, parce que lui, il était anti-français, il voulait marocaniser, il voulait islamiser, il voulait tout faire, il voulait même plus qu'on parle français là-bas. Et là, la France, elle a dit, oh là là, il y a danger, d'accord ? Et la réaction, parce que il faut savoir que Mohamed V, on va commencer par lui, il a été mis sur le trône du Maroc par le maréchal Lyoté. La France avait dit à Lyoté, vous qui êtes le constructeur du Maroc, qui connaissez toutes les grandes familles, les dynasties, les ci, les ça, dites-nous quel serait le meilleur roi pour remplacer celui qui allait mourir pour la France. Et lui, comme il était maréchal Lyoté, il était homosexuel, d'accord ? Comme disait le maréchal Pétain de Lyoté, il disait, ah ben Lyoté, c'est un homme qui a des couilles au cul, mais c'est jamais les siennes. Bon. Donc, voilà. Donc là, Lyoté, il est fou amoureux de Mohamed V. Et donc, il dit, je vais le mettre sur le trône. Et il dit aux Français, oui, prenez Mohamed V, c'est le meilleur des meilleurs. C'est vrai que c'était un roi exceptionnel. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais il était anti-français. Et ça, ça n'a pas plu aux Français. Et donc, ils se sont dit, ce mec-là, il va falloir le tenir par les couilles ou par la barbichette. Tu vois ? Comment on fait ? Et là, ils ont élaboré, ils ont dit, parce qu'au Maroc, tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, dans la Constitution, le roi est toujours arabe. Et, d'accord ? Oui. C'est un alaouite. Et la reine est toujours berbère pour faire le bon équilibre. D'accord ? Bien qu'il y a plus de berbères que d'arabes au Maroc. Hein. Il y a 72% de berbères et 28% d'arabes. Donc, ce n'est pas juste. Mais ça a été obtenu par la force de l'épée et tout ça. Voilà. Et donc, normalement, c'est le roi des Berbères, qu'on appelle le Glaoui El Pacha, qui vivait à Marrakech. Il y a sa famille, il y a ses descendants. Et qui choisit la reine, qui choisit la reine, qui l'offre au roi arabe. Ça a marché comme ça pendant des siècles. Et puis, voilà. Alors, les Français, ils disent, bon, on va lui jouer un mauvais tour. D'accord ? C'est-à-dire... On va dire au roi des Berbères, le Glaoui El Pacha,
on va lui dire de choisir la femme la plus pourrie du Maroc, la berbère la plus pourrie du Maroc, Mkaouzaga, tu vois, et on va la donner, tu vas l'offrir au roi, il est obligé de la prendre. Bah, il l'a prise, mais il l'a mis direct dans le harem, il ne voulait même pas la baiser, ni rien, walou. Il a dit, dégage, reste dans le harem et je ne veux pas te voir. Tellement elle était laide, elle était d'origine sénégalaise, noire, esclave, etc., et juive. Parce qu'il y a beaucoup de berbères au Maroc qui sont juifs, et même en Algérie, il y a Zemmour, par exemple, ou Patrick Bruel. Patrick Bruel, je crois que c'est en Tunisie. Bon, bref. Algérien, Patrick Bruel, Algérien. Algérien, Patrick Bruel, d'accord. Et il y en a plein d'autres, hein, oh là là. Et donc, à ce moment-là, le Glaoui El Pacha, il est mort de rire. Il dit, on va lui jouer un mauvais tour comme ça. Et à un moment, ils disent, il faut assurer la descendance de Mohamed V pour que le fils ou la fille qui naît soit juif, puisqu'elle, elle était juive. Et normalement, on tient la religion de la mère. D'accord ? Et ils disent, bon, on va dire à Mohamed V que sa femme est malade, qu'il faut l'envoyer à l'hôpital à Marrakech. À l'époque, c'était Marrakech. Hein, qui... Et donc, une fois à l'hôpital à Marrakech, le Glaoui El Pacha, il vient voir la reine qu'il avait offerte au roi et il l'a baisée. Il l'a ensemencée. D'accord ? Ce qui fait que l'enfant qui est né, elle était Hubla, elle était enceinte, mais ils ont dit à Mohamed V, une fois qu'au bout de 2 ou 3 mois, parce que lui, il ne la baisait pas, donc il la voyait grossir et tout du ventre, et il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et les Français lui ont dit, maintenant tu fermes ta gueule, d'accord? Cet enfant-là dans le ventre, ce n'est pas toi le père, et si on le dit au peuple marocain, tu es viré, c'est sûr. Un roi qui se laisse baiser sa femme et tout, ça ne peut pas être un bon roi. Et donc, il ferme sa gueule, il dit, maintenant, l'enfant qui va naître, c'est Hassan II, on va s'occuper de lui, nous, les Français, on va en faire un petit Français. Et c'est vrai que moi, Hassan II, il avait le passeport français, et toute la famille royale ont encore le passeport français aujourd'hui, tous, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils lui disent, maintenant, tu fermes ta gueule, tu fais comme si c'était ton fils et tout. Hassan II est né, et donc, il était juif, voilà. Donc, il ne peut pas être le descendant du prophète. C'est fini, cette histoire d'Alaouite et tout ça. C'est mort. Et finalement, donc, Hassan II s'est marié avec une berbère, juive aussi, mais ça, on ne l'a pas dit. Ce qui fait que Mohamed VI, il est juif et berbère à 100%. Donc, la vérité, la justice a été rétablie au Maroc. Parce que la justice au Maroc, c'est que ce sont les berbères qui sont la majorité, c'est eux qui doivent gérer le pays. D'ailleurs, aujourd'hui, Mohamed VI, il fait tout pour que les berbères... Voilà. Et le Premier ministre, il est berbère. La plupart des ministres dans le gouvernement sont berbères. Mais il le fait en douce, comme ça, sans en parler au peuple, parce qu'il risque d'y avoir une guerre civile. Sauf que moi, j'ai mis mon nez là-dedans et voilà. J'ai expliqué que... Voilà. Donc, après, j'ai dit... Dans le tome 3, toujours, hein, l'éducation d'un voyou, j'ai dit que le jour où Hassan II a pris le pouvoir, grâce à mon père, d'accord, qui a été obligé de laisser un médecin suisse assassiner Mohamed V, d'accord, ça c'est mon père, il a été obligé parce qu'on lui a fait du chantage et tout et tout. Et c'est lui qui a fait le certificat médical de mort, comme mort naturelle et tout ça. Bon, bref. Et. J'ai dit donc à Hassan II, le jour où il a posé son cul sur le trône du Maroc, le Mossad s'est installé au Maroc. Voilà. Et personne ne peut me démentir parce que j'ai dit que grâce à Hassan II, qui a été l'espion d'Israël, les Israéliens ont gagné toutes les guerres contre 1 milliard d'Arabes. Tu te rends compte? Parce qu'ils savaient tout à l'avance. Ils savaient les plans des Arabes et tout, puisqu'il y avait des réunions entre pays arabes. Et il savait tout, il disait tout aux Juifs, d'accord? Il les renseignait, et c'est, voilà. Donc, je dis que ça a été le plus grand espion d'Israël, ça a été Hassan II, et son fils, aujourd'hui, il a été pris en flagrant délit avec le logiciel Pegasus, ouais. D'accord? Qui prouve qu'il continue à espionner le monde occidental pour Israël.
Et maintenant, ben, le mariage est en train de se faire et tout. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je ne suis pas tout à fait contre, hein, bien que j'apprécie pas trop les sionistes ni rien. Mais bon, moi, je m'en fous, ils font leur vie. Putain, si on commence, j'aime pas celui-là, on s'en sort plus, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est très bon pour le Maroc, point barre, c'est tout. Maintenant, l'Algérie, elle ne va plus les emmerder parce qu'ils ont compris qu'il y a des bases américaines, il y a des bases israéliennes. S'ils veulent déclarer la guerre au Maroc, eh ben, il faut bien réfléchir avant, hein, parce que là, il va y avoir de la baston. Hein. Putain. Ok, Eh oui. bah Mais on ça, le va. roi, il a fait exprès. Il a fait exprès parce que le pouvoir algérien, ils ont tellement menacé la guerre. Ici, ils ont mis des centaines de tanks à la frontière du Sahara et du Maroc et tout, partout, partout, des avions de chasse et tout. Mais maintenant, ils n'osent pas. Parce que s'ils rentrent en guerre avec le Maroc, il y a l'Amérique et il y a Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire l'Algérie contre Israël ou l'Amérique? Elles ne peuvent pas, et le Maroc. C'est trop. Maintenant, d'ailleurs, on n'entend plus parler Tabboune, Tabboune. Le président algérien, Tabboune. On n'entend plus parler. Tabboune, il a dû attraper les trichomonas, là, des pertes blanches. Voilà. Bon, voilà. Ok, bah, tu sais, j'arrive pas à comprendre en fait les gens du chat. Il n'y a pas de répondant, je suis choqué. Je vous ai averti Ah depuis le ouais, ils comprennent début. pas. Je vous avertis depuis le début. Je vous avais averti depuis le début. Que sur ma chaîne, j'invite qui je veux, je parle avec qui je veux, d'accord? Ah. Il y a personne qui va me dire quoi faire si ça ne vous plaît pas, mais vous appuyez sur la petite croix rouge qui est en haut là, et vous allez regarder autre chose. Je comprends pas en fait. Voilà. Ben c'est Vous des voulez pas trolls, réagir? non? Vous voulez pas réagir, c'est incroyable, vous avez perdu vos couilles. Non, ça n'a rien à voir. Mais par contre, tu vois, il y a juste un truc, après on va passer au sujet suivant. Après, on va passer au sujet suivant. Non, je m'en fous de C'est que peine. C'est on va, après, on va passer au sujet suivant. C'est que il y a sérieux, mais qu'est-ce qu'on a? le nombre de personnes qui sont ici, les films qu'il peut y avoir justement sur, par exemple, des fois je sais pas moi, des choses qui peuvent se passer dans les pays arabes, que les Américains fument à chaque fois les Arabes dans leur pays. Personne n'est choqué, mais quand ce soir on dit des choses, quand des rappeurs insultent, d'accord, les insultent nos soeurs, nos mères, etc. Il n'y a personne qui leur dit rien. Et là, ce soir, on parle avec quelqu'un qui est originaire du Maroc, qui connaît, qui a été dans les, on va dire, dans les méandres, entre guillemets, dans la politique via justement tes anciennes activités, etc. Et il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais si ça ne vous plaît pas, vous appuyez sur la petite croix rouge en haut, et comme on dit chez nous en Tunisie, c'est pas la khair. Bonne nuit. Voilà. C'est moi, je n'oblige personne à me suivre. Je m'en fous des abonnés. Moi, je suis là pour discuter, pour le débat, pour l'échange. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, radioprincipe@gmail.com, vous envoyez un message, on va discuter entre nous, comme des grands. Voilà. On va passer au sujet suivant. Merci à toi, Gérard, pour cet échange vis-à-vis de ce premier sujet. On va passer au conflit russe-ukrainien. Et on avait discuté au téléphone, tu m'avais donné quelques éléments qui sont très, très intéressants. Et Ah ben, ouais. je te laisse. C'est une véritable ineptie. Évidemment, on s'en prend à Poutine, alors que lui, c'est encore, franchement, c'est le meilleur de tous. Et moi, je le sais parce que j'ai des amis ukrainiens qui ont critiqué leur propre pays et non pas Poutine. Ils montraient comment il s'appelle, Zelensky, là, Zelensky. Zelensky. Ça, c'est le plus grand mafieux d'Europe. Alors, il faut savoir, j'ai fait trois ou quatre émissions avec un grand monsieur ukrainien qui s'est sauvé d'Ukraine. C'était avec le comte de Trefengui, Pascal de Trefengui. J'ai fait plein d'émissions avec lui. Et donc, ce mec-là, c'était devenu mon ami avec un autre qui s'appelait Dimitri. Des mecs formidables, des Ukrainiens formidables. Ils critiquaient leur pays. Ils disaient, ça va finir mal avec les gens qui sont au pouvoir, parce que c'est tous des corrompus, d'accord, et des mafieux. Alors, mafieux, pourquoi? Là, les Français, ils sont en train de dire les pauvres Ukrainiens. D'accord, les pauvres, il y a des gens innocents qui prennent des bombes sur la gueule, je suis d'accord. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est pas de ma faute. Mais on critique Poutine, mais Poutine, il ne fait que défendre son pays. Et en même temps, il en a plein le cul des Ukrainiens. Parce qu'il faut savoir que 10%,
Et ça, c'est vérifié. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, c'est les grandes structures internationales. 10% des petits-enfants vendus dans le monde viennent d'Ukraine. D'accord? Et là-bas, ça se fait, mais carrément en toute légalité. Personne n'a rien à dire. Parce qu'il y a une mafia pas possible qui danse en talons. Oui, oui, c'est un mafieux qui danse en talons, c'est vrai. Bon, on va dire peut-être que c'est un transsexuel, mais il fait sa vie. Mais voilà, après, déjà, au niveau des enfants, moi, ça ne me plaît pas. Voilà. Après, il faut savoir que c'est le premier. Ils ont battu la Hollande. C'est le premier pays producteur d'amphétamines et de produits de drogues chimiques qui empoisonnent l'Europe et notamment la France. Alors, je ne sais pas si on doit donner notre bénédiction à ce pays, mais c'est gravissime. On ne leur dit rien, on les laisse faire. Ensuite, ils ont 7 ou 8 laboratoires qui élaborent des virus genre Corona, et je ne serais pas étonné d'apprendre que c'est eux qui ont vendu le Corona à l'Institut Pasteur, qui lui-même l'a revendu à Pfizer. Bon. Donc, ce sont des gens sans pitié. Sans pitié, d'accord ? C'est des gens qui envahissent l'Europe, aussi avec des cigarettes de très mauvaise qualité, à très bas prix. Après, je vais te dire une chose. Moi, j'ai connu des racistes dans ma vie, d'accord ? Mais alors, plus raciste qu'un Ukrainien, tu ne trouves pas. C'est incroyable. Il n'y a pas longtemps, j'avais une entreprise dans le bâtiment avec un ami argentin. Et on avait quelques Arabes, quelques Berbères, quelques Carlouches, quelques Noirs qui travaillaient bien, très bien. Et du coup, les Ukrainiens sont venus, ils travaillaient pour moins cher et ils travaillaient bien. Ça, on ne peut pas dire dans le bâtiment, ils sont très forts. Directive des travailleurs détachés. Hein ? Directive des travailleurs détachés. Voilà. Et donc, dès qu'ils arrivaient sur un chantier, ils voyaient un Noir, ils voyaient rouge. Il ne le voyait pas noir, il voyait rouge. C'est incroyable. Il voyait un arabe, il commençait tout, sale race et tout. Moi, je leur disais, mais pourquoi ? Vous n'avez pas de noir chez vous ? Vous n'avez pas d'arabe ? Pourquoi vous insultez ces gens-là ? Non, ils sentent mauvais, on n'en veut pas. S'ils restent, on part. Ben, partez. Ben, voilà. Après, il y a un moment, il y avait une pénurie, on a été obligé de les reprendre, les Ukrainiens. Moi, j'en ai pris un chez moi pendant le confinement, un malade. Un type instruit, mais malade. À chaque fois que je lui faisais une remarque, il prenait la pioche, tu sais, il tapait comme s'il me tapait dessus, tu vois, et il chantait l'hymne national ukrainien, tu vois. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu chantes là? Il me dit, oui, l'hymne national ukrainien. J'ai dit, c'est une déclaration de guerre que tu me fais ou quoi? Tu vois. Sa femme, c'est pareil, ouais, sa femme, c'est pareil, raciste. Elle vivait chez moi, dans ma ferme, hein, dans ma ferme. Et au bout d'un moment, elle me dit, moi j'en ai marre. J'ai dit, mais t'en as marre, tu te casses, ma pauvre, pendant le confinement. Il dit, je peux pas encore. J'ai dit, alors, dis pas que t'en as marre. J'ai dit, t'en as marre de quoi? Il me dit, j'en ai marre de faire la boniche pour toi et pour. Voilà. J'ai dit, tu fais pas la boniche pour moi, parce que moi, quand je salis une assiette, c'est moi qui la lave. Un verre, c'est moi. Je t'ai jamais demandé de faire la vaisselle pour moi, ni de me faire mon lit. D'accord? Ce que tu le fais pour toi et ton mari. D'accord? Mais elle comprend pas ça. Elle comprend pas. Elle me dit, oui, mais moi, j'étais chef d'orchestre. Tu parles jouer de la clarinette, c'est tout. J'étais chef d'orchestre à Kiev. Je gagnais ma vie. J'ai dit, pourquoi tu es venu ici? Alors, si tu gagnais bien ta vie là-bas. Ouais, là-bas, elle gagnait 200 euros par mois. Et elle appelle que ça a bien gagné sa vie. Non, mais attends. C'est des gens faux, méchants, fourbes. Ils ont toutes les mauvaises qualités du monde. Ils me dégoûtent. Ils me dégoûtent. Et vraiment, ils sont sans pitié pour les Européens. Ils nous vendent toutes leurs saloperies et ils viennent carrément. Alors, en prison, c'est encore pire. On leur courait après dans la cour de promenade pour les frapper parce que c'est des gens sans respect, rien. Bon, c'était peut-être une mauvaise catégorie de Ukrainiens, mais voilà, d'accord, il y en a partout. Mais comme les Ukrainiens, j'ai jamais vu. Donc moi, je vais te dire franchement, je n'ai aucune sympathie pour ce pays. Et surtout que quand ils sont sortis de l'Empire soviétique, ils ont commencé à danser, comme il dit l'autre, un peu du côté de l'Europe, tu vois, à vouloir faire des fellations aux Européens et aux Américains. Ouais. Ils ont été trop faits et trop vite. Trop vite, ils ont voulu sortir du giron russe, d'accord, on peut le comprendre, mais il fallait le faire doucement. Et quand ils se sont sentis pousser des ailes,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés massacrer les russophones dans le Donbass et tout ça, dans la région de l'Est et tout. Massacrés, ils en ont tué 15 000. Alors, eh ben, finalement, Poutine, il a fini par intervenir. C'est normal. On lui tue ces Russes à sa frontière. On les maltraite. Alors, quand Poutine il dit qu'il va dénazifier l'Ukraine, je comprends, parce que c'est vraiment un pays de nazis. S'ils étaient en France, ce serait des skinheads. C'est des gens, c'est voilà. C'est. Il faut jamais oublier que quand Hitler est rentré là-bas, il a été applaudi, comme en Autriche, d'accord. Il a été reçu en grande pompe par les Ukrainiens, d'accord. Ça, on ne leur a pas reproché parce qu'on ne voulait pas. Mais voilà, voilà ce qu'ils sont. Ils ont pris le parti du plus fort. Et quand Hitler a été viré, les Allemands, là, ils sont redevenus un peu soviétiques, tu vois. Voilà, le genre, c'est blanc. Ouais, c'est un peuple, on va dire, versatile, quoi, qui se met toujours du bon côté. Très versatile, très immensément versatile. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de ces gens-là. Ils n'ont pas de mentalité. Là, ils friment, ouais, on va se battre pour notre pays. D'accord, battez-vous pour votre pays, mais ne faites pas intervenir la France, parce que Macron aussi, c'est un malade mental, lui. Non, on en parlera après, ouais. Ah ouais. Ils veulent que la France entre en guerre, parce que c'est le pays le plus fort d'Europe, bien sûr, avec sa force atomique. Ils veulent faire entrer la France en guerre et l'Amérique. Ils veulent une troisième guerre mondiale. Mais qui a envie de mourir pour l'Ukraine, putain? Qui se démerde? Ils sont 45 millions, ils n'ont qu'à mobiliser tous les hommes capables, même les femmes. Il y a des femmes qui sont capables de tirer ça. Voilà, mobilisez votre pays. Pourquoi vous voulez que nous, on intervienne? Non, mais ça ne va pas. C'est ça. Bon, on sait que là, le président, bon, tu as bien vu la tronche qu'il a. Il faisait du théâtre. Je ne sais pas s'il ne suçait pas des bites un peu à gauche et droite. c'est fort possible. Quand tu regardes le profil, c'est fort possible. Alors, ils disent, mais comment ce pays a pu avoir un président juif? Ben oui, c'est justement à ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Deep State, l'État profond, c'est là-bas qu'il s'est installé. Et ce sont les Américains et tous les salopards qui veulent le Deep State qui l'ont installé là-bas, avec l'argent. Voilà. Il n'a pas sa place. D'abord, il est juif, alors qu'il y a 1% d'Ukrainiens juifs, et tous les autres sont partis. Et il veut faire là-bas un second Israël, c'était son idée, alors qu'il y a 1% de juifs, c'est incroyable quand même. Mais parce que et c'est le deep state, et c'est ce que Poutine ne veut pas avoir à sa porte. Parce que quand tu regardes, pourquoi c'est lui qui va nous sauver, Poutine, il va nous sauver du deep state, de l'état profond. Lui et les Chinois qui sont contre l'état profond. Sinon, on serait déjà colonisé par les Américains, qui en aucun cas sont les amis de la France. Ça, je tiens à le dire. Macron, quand Biden, il a fait arrêter la commande de plusieurs sous-marins français pour 55 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je serais président à ce moment-là. Je sors direct de l'OTAN et je m'allie avec les Russes et avec les Chinois et les Indiens. C'est tout. Plus d'Américains, plus d'Anglo-Saxons. Ce sont nos pires ennemis. C'est eux qui nous veulent du mal à tous. Ouais. Ils sont en train de bouffer le monde entier. Mais là, Poutine, il a dit stop, on arrête là. Sinon, c'est la guerre nucléaire. Ben moi, je dis il n'a pas tort. C'est tout. J'apprécie ce mec. Il a une grosse paire de couilles. Et c'est tout. Il a des couilles. Il défie l'Occident. Il défie les salopards. Les vrais salopards, c'est les Américains. Ce que tu dis, avant de laisser la parole à Mehdi et Charmine, ce que tu dis, c'est confirmé, parce qu'il n'y a personne qui bouge. Ils n'ont pas envoyé. Il n'y a personne. Il leur a dit, s'il y en a un qui se mêle de cette histoire, vous allez devoir faire face à des conséquences. Exactement, que vous n'avez jamais connues. Il a raison. Bravo, et moi Poutine, je dis bravo. Donc toi, ta position, tu soutiens clairement Poutine, quoi. à 100%, regarde-le. Elle aussi, elle soutient. Hein, tu soutiens avec Poutine, toi? Ben toute oui, toute mignonne. Il y a l'autre aussi, là. Attends, il a la flite. Hein, vas-y, tu veux revenir sur un point, frérot? Oui. Je vois le sourire de Charmine, je suis enchanté avec ses dents. Là, un beau sourire, hein, Charmine. Bon, vas-y, je t'écoute.
Mehdi. Ouais, Mehdi. Oui, Aïe, donc. oui bah moi je rejoins Gérard sur son analyse sur l'Ukraine. Il faut savoir que ça fait maintenant 8 ans que les Ukrainiens, d'une part, subissent en effet les attaques successives du régiment Azov, de Svoboda, etc. Et tous les bataillons nazis qui se trouvent en Ukraine. Mais depuis maintenant plus 8 ans, l'Occident se réveille aujourd'hui, mais en réalité, le conflit n'existe pas depuis aujourd'hui. La situation ukrainienne est catastrophique depuis des années. Moi, je comprends en effet totalement Poutine qui voit l'OTAN se rapprocher proche de ses frontières. S'il n'agit pas maintenant, clairement, il va se retrouver acculé, il ne pourra rien faire. Donc, sa stratégie Exactement, exactement. mythique, c'est d'avancer ses pions pour ne pas se retrouver dans une situation catastrophique. Donc, évidemment, il défend ses intérêts. C'est géopolitique. On n'est pas dans un film où il y a les méchants russes contre les gentils européens, les gentils américains, Non, tel que ça nous sûrement a pas. présenté aujourd'hui dans les Tout au médias. contraire. Exactement. Voilà, Poutine ne fait pas autant de propagande que les pays occidentaux, mais par contre, sur le terrain, il agit. En effet, je crois aussi, comme Gérard, que c'est lui qui peut nous Nous sauver, sauver. comme ils disent, du nouvel ordre mondial Ouais. et qu'on veut absolument nous imposer, et à la fois aussi des néoconservateurs américains. Donc, ouais, évidemment qu'on ne peut que soutenir cette initiative. Est-ce que je trouve beau, d'autant plus beau, moi, en Russie actuellement? C'est l'alliance, je dirais, islamo-russe, Oui, tchétchéno-russe, oui, russo avec les tchétchène qui... Tchétchènes et tout ça, oui. Exactement. Voilà, comme quoi, qu'aujourd'hui, face au nouvel ordre mondial, on a une alliance de taille et très symbolique entre musulmans et chrétiens face, finalement, au nouvel Ouais, ordre il n'y a mondial. pas, il n'y a pas que les Tchétchènes, hein, il y a l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, Tout ils à sont, fait. il y a beaucoup de musulmans là-bas. Pour la plupart, ils sont musulmans. Ouais, Daghestan, c'est une belle Arménie. alliance. Et Totalement. c'est Poutine qui va nous sauver de l'ordre mondial, c'est sûr. Là, il baisse les bras, les salopards là, de l'ordre mondial. Il baisse les bras parce qu'il voit qu'il ne pourra jamais y avoir d'ordre mondial s'il n'y a pas la Chine, l'Inde et la Russie avec eux. Exact. Tu vois? Non, Et clairement. donc, il nous sauve. Si en face, ils Mais sont pas. excuse-moi, j'ai une question, moi, à poser à Gérard. Est-ce que tu penses, Gérard, que cette situation va faire que le monde va se couper littéralement en deux? Ou est-ce que Carrément. définitivement. C'est ça qui va se passer. Ah, c'est 100%. Ouais. Mais on ne peut plus faire marche Il va arrière, c'est falloir pas possible. choisir son camp, quoi. Mais on va revenir à la guerre froide exacerbée. Ah ouais, D'accord. Il exacerbée parce n'y que a pas les là, réseaux sociaux, là. on sait que Poutine, il rigole pas. Et donc là, ils vont faire très attention, les Américains, même les Européens, ils vont faire très attention à ce qu'ils font. Leur projet d'entourer la Russie et tout comme ça, c'est tombé à l'eau, ils ne peuvent plus. On va voir comment. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains, là, ils n'oseront pas affronter Poutine. Ils n'oseront pas, ils vont rester tranquilles. Par contre, si les Russes ont la mauvaise idée de s'attaquer à la Pologne ou des pays limitrophes, là, ça va Ouais, chier, là, ça va barder. parce que Et ouais, frayer. en Mais je ne logique. pense pas qu'il va le faire. Non, là, il est rentré pour mettre une gifle aux Ukrainiens, d'accord, pour leur expliquer ce qui se passe, à coup de voilà. Bon, évidemment, il y a des morts, il y a des morts, c'est sûr. Mais il va se retirer bientôt. Il va se retirer bientôt. Il a fait comprendre à ces gens-là qu'il fallait arrêter, tu sais, de jouer aux danseuses pour séduire les Américains, les Européens, ta ta ta, pour entrer dans l'OTAN et tout. Mais heureusement, la France et l'Allemagne ont refusé, il y a quelques années de ça, l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, il faut le savoir. Ben, parce que les Français, ils étaient conscients que qu'il fallait pas. C'était avec Sarko, je crois. Sarko, il avait compris que Poutine, c'était pas un petit rigolo. Et je crois que Poutine a expliqué à Sarko qu'il fallait surtout pas prendre ces connards-là en Europe et dans l'OTAN. Voilà. Et ça a été heureusement.
Il y a une question pour toi. Mais dites, si tu as fini, frérot, dis-moi. Parce qu'il y a une question là pour toi, Ouais, Gérard. non, moi, je voulais juste ajouter une petite chose, dire Vas-y, qu'il frérot. y a aussi un fait très paradoxal en Ukraine, c'est que finalement, ces bataillons nazis qui ont été formés en Ukraine ont été massivement financés par des juifs, hein, des juifs qui Ouais, ça financent des c'est vrai. nazis. Kolomoïski a financé grandement le bataillon Azov. Tout comme Rabinovitch qui est impliqué aussi. Donc on a vraiment aussi ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on voilà, on peut voir des choses qui sont quand même complètement aberrantes, c'est-à-dire des Juifs qui historiquement nous est vendu comme un peuple qui a été traqué par les nazis de tout temps, aujourd'hui se retrouvent à financer des nazis. Donc voilà, moi je pense que Ouais, c'est mais quand même attends, aussi attends, important de préciser Mehdi. ça. Oui. Mehdi, il faut savoir que qui a financé Hitler? Ah C'est oui, Rothschild. tout à fait, ouais. Parce que il faut savoir que, alors, quand les armées françaises et anglaises étaient bloquées dans la poche de Dunkerque, il y avait l'armée de Rommel qui entourait tout ce petit monde, prêt à tirer à coups de canon et tout, massacrer tous les soldats français et anglais. Rothschild est intervenu, il leur a dit, moi, je peux arrêter le massacre. Un coup de téléphone à Hitler et c'est parti. Mais en échange, vous me donnez la Palestine. Ouais, c'était ça, Bon, ils l'ont ouais. donné, c'est ce qu'on appelait l'accord Sykes-Picot à l'époque. J'oriente Voilà. les gens vers ce livre, Sionisme et mondialisme, de Pierre Ah, Égard, et on super, discute ouais. dedans. Ouais. C'est un Et gros donc, pavé. C'est il intéressant, s'est c'était ça. emparé, donc, il s'est emparé de la Palestine. D'accord? À partir de là, quand tu as un terrain qui est grand comme la Palestine, il faut le peupler. Donc, il lui faut des juifs. D'accord? Parce que ce qu'il voulait, lui, c'est le renouveau, récupérer la terre d'Israël et de mettre des juifs. Et les juifs, tu les trouves où? Ben, en particulier en Allemagne et en Pologne. En Ouais. Pologne, il y en avait plus de 5 millions, en Allemagne aussi. Et à côté, dans les pays limitrophes. Et comment tu fais pour les récupérer, ces juifs? Ils étaient tous très bien, ils vivaient tous très bien en Allemagne et tout, dans tous ces pays. Tu vas leur dire, allez cultiver dans le désert du Negev. Ils vont dire, oh là, on ne connaît pas, nous, on est bien ici, on a des apparts, on a des peintures de grande valeur, on a des belles bagnoles, on ne va pas se faire chier dans le désert du Negev. On peut les comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rothschild, il a dit à Hitler, tu vas chauffer le peuple allemand, tu vas le monter contre les Juifs. Et c'est comme ça que ça a commencé. En 1933, les Juifs, par-ci, responsables de tout, de tout, de tout, la haine est montée, la tension est montée dans le peuple allemand, mais ils n'étaient pas encore jusqu'à les tuer. On leur disait, bah, écoutez, pendant ce temps-là, il y avait des Juifs allemands qui leur disaient, écoutez, allez en Israël, vous serez bien, on va vous arranger tout ça et tout. Non, non, ils ne voulaient pas. Alors, à force de monter le peuple allemand contre les Juifs, il fallait trouver une solution. Ils ne voulaient pas partir en Israël. Eh bien, il y a eu la solution des camps de concentration parce que Hitler ne pouvait pas faire marche arrière. Il avait chauffé les Allemands. Il ne pouvait pas dire, ah, les Allemands sont des diables, et puis le lendemain dire, ah non, c'est des anges. Non, il a été obligé d'organiser l'Holocauste. Voilà. Mais c'est bien sûr, Mais il faut c'est savoir une Rothschild. chose. Il faut savoir une chose, c'est qu'au début, les Rothschild ne voulaient pas financer ça. Parce que c'est Ah bon, Theodor ça je Herzl. savais pas. Ouais, c'est Theodor Herzl qui a poussé, en faisant notamment intervenir le baron, je crois que c'était un baron suisse ou français, tu vois, un baron juif. Ouais. Et qui lui a appelé. Mais au début, Rothschild, il était pas pour. Mais de toute façon, Rothschild, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est financer la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire il a financé le camp ennemi. Comme il a financé le camp allié, tu vois, il a financé On les est deux parties. d'accord, on est C'est d'accord. sûr. Oui, bien sûr. Mais il avait les moyens. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui prêtent les milliers de milliards à tous les pays du monde. Comme on dit, Ils fait sont bled même yahas. mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le peuple juif est sacrifié par ses élites. Voilà. Oui, On clairement. est d'accord là-dessus, tout à fait. Parce que, comme on dit, le peuple juif, il est formé pas que des Ashkénazes. Les Juifs, il y en avait partout, même en Éthiopie, il y en avait partout, en Érythrée, il y en avait. Faracha, Voilà, partout, en Libye, dans tous les pays, même en Égypte. Et donc, tous ces gens-là n'ont rien à voir avec les sionistes ashkénazes. Ce n'est pas la même race. On sait bien que les ashkénazes, ils viennent du royaume du Khazar, qui se situe entre l'Arménie et la Géorgie.
Ils n'ont rien à voir avec les peuples d'Afrique et tout ça. Donc, il y a une partie juive d'Afrique, et de, mais qui n'est pas aimée par les Ashkénazes. Et tu remarqueras que, juste là, il n'y a pas longtemps... C'est deux factions qui n'arrêtent pas de se manger la... Exactement. Et tu remarqueras que depuis qu'il y a un gouvernement, que Israël existe, il n'y a jamais eu, jusqu'à il y a très peu, un non-Ashkénaze au gouvernement. Il n'y a eu que des Ashkénazes. Ça a changé depuis un an ou deux. Maintenant, il n'y a pratiquement que des séfarades. Tu vois, le changement. Voilà. Ouais. Parce qu'ils se rendent compte que voilà, ça ne va plus. C'est parce qu'ils sont racistes entre eux. Encore pire que chez nous. Exactement. Pire que chez nous. Donc, quand on parle d'Israël, il faut quand même faire la part des choses. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure, Gérard, je te la remets. C'est une question pour toi. Hein. Est-ce que Poutine prend de la coke, Gérard, à ton avis? Qu'est-ce que j'en sais? Je pense que oui, mais il n'a pas de mimique. On ne peut pas. Non, il est toujours très stoïque. Il ne bouge pas. Il ne se gratte pas le nez. Il ne se gratte pas les racines de cheveux. Non, là, je ne peux pas dire. Mais à mon avis, oui, parce qu'il a besoin. Ça lui donne du courage et tout ça. Ça lui donne une certaine invulnérabilité. Tout ça. Moi, je dis, on ne peut pas leur en vouloir. Pour être président d'un pays comme la France ou la Russie, on est obligé de prendre de la coke, sinon on ne tient pas le coup. C'est tellement harassant aujourd'hui d'être président d'un pays comme la France ou comme la Russie qu'ils sont obligés. Mais il doit avoir de la bonne coke parce que ça ne se voit pas sur son visage. Parce que, à mon avis, Macron, un jour, il a pris de la mauvaise. Tu sais, quand il commence à crier, ouais, tu te souviens de ce moment? Il avait pris de la mauvaise coque, là, la mauvaise. On reviendra sur la politique française tout à l'heure, Gérard. Et là, on va s'amuser. Vas-y, d'accord. Chermine, si tu veux prendre la parole par rapport au sujet. Par rapport à l'Ukraine. Alors, je suis d'accord avec vous sur par rapport à la Russie. Je voulais juste ajouter deux choses par rapport au virus. Alors, les États-Unis se permettent de mettre des laboratoires un peu partout. Par contre, sur leur sol, ils n'en mettent pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Exact. Et c'est ça qui est insupportable, en fait. C'est insupportable. Bah oui. Alors, après ça. Enfin, bref. Et je voulais aussi parler des fémènes. Ça vient d'Ukraine. Et donc, il y a la femme qui gère, c'est pas elle qui gère, c'est pas elle qui a créé le mouvement, mais maintenant, c'est l'égérie des fémènes qui s'appelle Ina Shevchenko. Qui est réfugiée politique en France. Ouais. Comme par hasard. Donc, voilà, il y a aussi une manipulation. Maintenant, ce qu'elle avait fait dans les années 2000, je crois que c'est 2010, un truc comme ça, elle avait créé des... Enfin, pas des camps, mais des... Comment on appelle ça? Des associations? Non, c'est pas... Oui, enfin, c'était des espèces de locaux pour recruter des femmes françaises pour qu'elles deviennent fémènes, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et donc, il y a toute une manipulation, parce qu'après, c'est aussi détruire les valeurs de la France. Et voilà, on laisse faire. Mais tout ça, c'est toujours la même chose, les mêmes façons de faire. Voilà, il y a eu des trucs. Pour imposer le féminisme et. Bah ouais, mais c'est ça que je leur reproche encore. Ils ont voulu envahir la France avec leurs femmes. Et comme on dit, l'amour est dans le pré. Il y a des milliers de paysans français qui se sont fait. Il y avait des espèces d'associations ukrainiennes qui envoyaient des nanas ici chez des paysans dans les fermes et tout. Elles se sont emparées de la moitié des fermes de France. Elles les ont revendues, elles sont cassées avec l'argent et tout. Elles ont fait la misère. Il y avait des Russes et des Ukrainiennes. Elles ont fait la misère en France, partout, en Espagne, dans tous les pays d'Europe. Les femmes, c'était des guerriers, femmes, qui ont envahi la France et toute l'Europe. En faisant des promesses à des hommes qui étaient un peu paumés, qui ne trouvaient pas de femme ou qui aimaient le changement. Ah, une Ukrainienne, elle va me faire de la soupe au chou-fleur et n'importe quoi. Des conneries à 3 balles. Oui, ben voilà, toute l'Europe a été envahie par ces femmes-là. Pour moi, c'est des putes guerrières. Voilà. Et on aurait dû les foutre à la porte parce que c'est dégueulasse ce qu'elles ont fait. Donc moi, je dis, je ne vois pas ce que les Ukrainiens ont pu faire de positif jusqu'à présent. D'accord? Rien. Rien. Et dans le passé, c'est pareil. Donc moi, aucune pitié pour eux. Après, c'est pas moi qui ai déclaré la guerre aux Ukrainiens, hein, c'est Poutine. Mais voilà, moi je dis bravo, Poutine, au moins il a des couilles, il n'a pas peur, il a tout l'Occident contre lui, il s'en fout. Lui, c'est sa vérité.
Et puis, bon, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous aussi qui savent et qui, voilà, que moi, je ne vais pas verser une larme. C'est triste pour les enfants. J'adore les petits-enfants. C'est des créatures du bon Dieu, ça. Mais c'est des petits anges. Mais qu'est-ce que. Ben, ils payent pour leurs parents, les conneries de leurs parents et tout. Les Ukrainiens ont tourné autour du pot que si on rentre dans l'OTAN, que si, que là, vas-y, vas-y. Eh ben, ça a irrité Poutine et voilà, ça a terminé comme on le sait. Maintenant, moi, je ne suis pas pour la guerre, bien sûr, mais j'en ai marre d'entendre toujours Ah, Poutine, c'est un diable, Poutine ci, Poutine ça. Non, arrêtez un peu. Essayez de comprendre les choses. Voilà, c'est tout. Un Mais peu si plus. justement, je te pose une dernière question par rapport à ça. Si l'Occident s'agite de la sorte, c'est qu'ils ont peut-être peur aussi que Poutine découvre des choses, même s'il a déjà des dossiers, j'imagine, hein, mais qu'il découvre bien plus que ça et qu'il les révèle à la face du monde et que là, on est Ben, bien des là. choses comme quoi? Bah, des choses comme, bah, par exemple, alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose de véridique, mais ça a beaucoup tourné sur Internet, comme quoi il menace les États-Unis de dévoiler les vraies images satellites du 11 septembre. Qui menace Poutine? Poutine, ouais, Poutine, tu Ah ouais, vois? ça c'est pas mal ça. Tu vois? Donc, Ben, et le pourquoi elle le fait jour. pas? Eh ben justement, ça, c'était la semaine dernière, et moi, j'ai remarqué que le jour d'après, Biden, enfin, les États-Unis, enfin, les médias plutôt, Il est ils ont devenu déclaré. gentil. Ouais, bah, et les médias ont déclaré que Biden a dit qu'on ne s'en prendra jamais, non, Ouais, même j'ai pas du remarqué ça Russie. aussi, tout d'un coup, oui. Tu vois? Tout d'un coup, Donc, je me alors, à un suis. moment, il dit les Russes vont payer très cher l'addition, et puis Voilà. après, il dit, ouais, mais on n'entrera jamais en guerre avec eux. Il s'est passé un truc entre-temps, t'as raison. Parce C'est que, bien alors. ce que tu. Là, t'as levé un lièvre, là, c'est bon. Ouais, bah J'y c'est avais ça, c'est pas ça. pensé, ouais. Parce que Ah, si c'est possible. ça. Parce que le 11 septembre, c'est l'élément déclencheur de la guerre en Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, de la Syrie, comment Exactement. dire, du Nigeria, de ce qui se passe au Maroc, de ce qui se passe. C'est l'élément déclencheur de tout le sang versé ces dernières années dans le monde entier par des guerres illégales et tout. Et là, si Et ça s'est révélé, franchement. ah, c'est grave, ah, c'est grave. Mais peut-être qu'il va le faire, hein, attention. Si les Moi, j'espère qu'il va le Américains faire. ont le... Ah, Écoute-moi j'espère aussi. bien, là, Zelensky demande aux Américains d'envoyer des avions. Et les Américains vont envoyer des drones. Mais si jamais ils ont le malheur d'envoyer des F-16, des avions de chasse, Ça là, y je est. crois que Poutine, il va balancer tout ça. Bien sûr, il va balancer tout Là, parce ça. Et il va pas balancer que des mots, il va aussi balancer des gestes, des faits. déjà, oui, bien Oui. sûr, il est très dangereux, ce mec. Il en sait beaucoup sur l'Occident. La Il a différence. passé des années à espionner, il était dans le KGB, il sait tout. Il a des dossiers sur tout le monde. Il La est même différence capable de. entre, ouais. La Il est capable. différence entre Poutine et les autres dirigeants, c'est que Biden, il joue au poker. Poutine, c'est un champion d'échecs. Poutine, il avance Ah ouais. toujours, hein. C'est ça la différence. Il est Donc, champion en tout, ce mec, hein, en ouais. judo, en tout. Il sait tout faire, hein. Non, non, pour moi, c'est une vraie tête. C'est un chef d'État. Excusez-moi, Voilà. je voulais ajouter une chose aussi, si tu me permets. Bien On sûr, a, vas-y. on, pour moi, on a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent aussi ici. Donc, on a la vision du monde occidental, justement celle dont parle Shermin, celle des Femen, celle de la GPA, Ouais. celle du mariage Ouais. pour tous. On a une société traditionnelle qui nous est proposée en réalité par Poutine. Et globalement même, ce qu'on pourrait appeler la lance sino-russe, même si les Chinois sont quand même très ancrés dans le, comment on appelle ça, dans Méfier des l'intelligence, Chinois. dans l'intelligence, l'intelligence artificielle, pardon, et avec leur pacte social, c'est ça? Le contrat social, pardon. Le crédit Ouais, social. le Contrat crédit social. social. Ouais, le crédit social, pardon. Oui. Mais globalement, on a deux visions du monde qui s'affrontent. Celle d'un monde, je dirais, complètement libéral, et celle d'un monde qui, on va dire, aspire à une vision plus traditionnelle. Je pense que ces deux visions ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas Cohabiter. s'entendre exactement. Peuvent pas Et cohabiter. tout à fait. Et je me demande si l'une ne va pas s'effacer tout simplement au détriment de l'autre, à un moment donné. Non, je pense pas. Non, on sera pas là pour le voir. Non, non. Non. Chacun va aller dans ses retranchements et on va se regarder en chien de faïence.
Il va y avoir, moi je l'ai vécu, la guerre froide, vous n'étiez pas encore né, hein, Ah en oui. Ouais. 62, 63, quand il a failli avoir une guerre mondiale avec Khrouchtchev, avec les missiles de Cuba et Missile tout. Cuba. Ouais. Je peux te dire qu'on n'était pas fiers, hein, parce qu'il y avait l'affrontement, ils étaient à 100 mètres l'un de l'autre, hein, les bateaux de guerre russes pleins de missiles nucléaires, atomiques, d'ogives nucléaires. Et la marine américaine aussi qui était prête à tirer. Et là, c'était parti pour voilà, la Troisième Guerre mondiale. Nous, on a vécu dans une sale ambiance hein, pendant beaucoup d'années. Sale ambiance, je peux te dire. Sale. Après, ça s'est calmé avec Gorbatchev et tout, c'était bien. Et Yeltsin et tout, c'était des mecs bien, ça, c'est les bons Russes. Mais là, je pense qu'il va falloir au moins 50 ans. Pour rétablir une bonne entente entre la Russie et ces pays que tu dis, la Chine et tout. Parce que la Chine, il ne faut pas croire, mais si, je pense que tout le monde s'en doute, ils vont attaquer Taïwan bientôt. Hein. Et Ouais. oui, et comme Il y a l'Amérique ne quelqu'un peut qui nous pas avait dit faire sur le face chat. sur deux fronts, les Américains vont s'éclater, ils vont s'écraser. Et je pense que la France, elle ne suivra pas. Hein. S'il y a ils n'ont qu'à prendre Taïwan, c'est Chinois, ils n'arrêtent pas de le dire. Mais ils profitent. La guerre de Poutine, ça les arrange. D'abord parce que comme ils ne vendent plus trop son pétrole et son gaz en Europe, eh ben c'est les Chinois qui en profitent. Ils les achètent à bas prix et tout. Et puis, tu vas voir, ils vont dire, ah ben, pourquoi vous laissez Poutine envahir l'Ukraine et nous, vous nous attaquez parce qu'on reprend ce qui est à nous, la Chine, de Taïwan. Ben oui, ils ont toujours dit que c'était la Chine. C'est comme ça que ça va se passer très bientôt. Et là, oui, il peut y avoir une troisième guerre mondiale. Parce que là, les Américains, ils sont obligés d'intervenir, sinon on les met au rébus. Ils comptent plus. Plus personne ne va avoir confiance en eux et en leur protection. Là-bas, par rapport à Taïwan, c'est au niveau des eaux territoriales, etc., je crois. Oui, dans la mer de Chine. C'est ça. Oui, mais bon, ça fait des décennies que la Chine clame que Taïwan est chinois et qu'ils vont la reprendre. Mais ils vont la reprendre. Pour l'instant, ils s'arment, ils s'arment. Ils ont des centaines de bateaux de guerre, des centaines, des milliers d'avions et tout. Ils s'arment comme la Russie. Et puis à un moment, ils vont dire, maintenant, voilà, on reprend Taïwan. Ils vont attaquer Taïwan. C'est obligatoire. Ça. Et je pense que c'est le bon moment pour eux de le faire. Je Ouais. pense. Profite Ils de vont faire. profite un peu de il profite un peu que l'ours russe ait sorti ses griffes, bien sûr. Exactement, parce que bah, ça occupe les Américains. C'est ça. Alors, s'il y a un grizzly qui sort de l'autre côté, parce que là, c'est plus un ours, c'est un grizzly, c'est un Ouais. monstre, la Chine, ils vont dire, oh putain, oh là là, non, allez, démerdez-vous, nous, on se retire en Amérique et on ne veut plus rien savoir. Ou ça, ou la guerre. Bah, ça. Ça va être ça ou ça. Mais je pense qu'avec Biden, il n'y aura pas de guerre, il est trop. Il est Il sénile, il est sait trop même pas ce qu'il dit. pacifiste. Non mais Il sait pas ce qu'il dit. il sait même pas C'est ce qu'il dit. inquiétant. Il est Il est un peu encore. sénile. Il est Il est malade un peu lui. sénile. T'as vu? Ouais, puis il a une petite tête de souris, là. C'est pas un guerrier. C'est Non, il a pas. des Trump, problèmes. oui. Trump. En plus, Trump, c'est pas un va-t-en-guerre. Mais je suis sûr que s'il y avait un problème d'invasion, par exemple, de trucs, il serait intervenu, Trump. Mais Biden, non, il n'a pas. Tant mieux qu'ils restent chez eux, qu'ils arrêtent de nous Bien faire sûr. chier. Tu vois, par exemple, ils ont abandonné les Arabes maintenant, tous les Émiratis et tout. C'est les Français qui prennent la part du lion. Regarde toutes les commandes de Rafale et tout. Là, il y a plus de 100, 100, 120 ou 130 Rafales qui ont été commandées par les Émiratis et tout ça. Parce que la France, maintenant, c'est le seul pays qui protège ses pays. Ils ont une base à Abu Dhabi, base militaire. Et la France, elle intervient. Ils ont vraiment des couilles, les Français, quand même. Regarde comment elle est intervenue au Mali. Et s'il y a un problème là-bas, à Abu Dhabi ou ailleurs, les Français sont là pour intervenir. Ils ont un accord avec eux. En contrepartie, eh ben, ces gens-là, les Saoudiens et tout, ils achètent presque toutes leurs armes. Les bateaux de guerre qui n'ont pas été livrés, aux Russes, fabriqués en France. Ils les ont vendus aux Égyptiens et c'est les Saoudiens qui ont payé cash et plein d'autres trucs, des tanks, des chars Leclerc et tout, par centaines. C'est l'Arabie Saoudite qui est en train de former l'armée égyptienne pour aussi les défendre en cas d'attaque de l'Iran. Non, tout ça,
Les Français, ils ont, voilà, ben ils se disent on est bien, c'est pour ça ils ont quitté l'Afghanistan et le Mali bientôt. Et voilà, ils disent on est bien avec les Arabes, ils ont du fric et tout. Et voilà, et il y a une cohésion maintenant qui se fait, même avec les Israéliens et tout ça. Et je pense que les Américains, on n'aura plus besoin d'eux hein, bientôt. Ben, clairement. Sauf en Chine, dans la mer de Chine, c'est tout. On va passer. Ouais. Excuse-moi, vas-y, fini. Hein. Ils ont montré leur impuissance. Ouais. Devant le danger. Et surtout, le monde entier a vu que, qu'en réalité, ils sont faibles. ils sont dégonflés. Ils s'en prennent à des pays faibles. Aujourd'hui, ça des bonhommes, ils ne bougent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde? Ils ont foutu la merde, c'est tout. Ils ont déstabilisé des dizaines de pays qui aujourd'hui sont en guerre entre eux, comme la Libye ou autre. Bon, la Libye, il y a aussi un petit peu du Sarkozy, là, qui a réglé ses comptes avec Kadhafi. Avec l'argent des contribuables français. C'est bien, c'est merveilleux. Quel putain d'enculé. Ben Sarkozy, on sait bien qu'il n'est pas un vrai Français. Il est hongrois, il est juif. Qu'est-ce qu'il aime la France pour son argent, c'est tout. Moi, j'ai jamais aimé ce mec. J'avais une question à poser à Gérard. Est-ce que tu penses, Gérard, justement, que tout ce qui se passe derrière tout ça ne se cache pas un dessein messianique avec une volonté, justement, d'établir. Un nouvel ordre mondial qui, comme le disait Jacques Attali, aurait pour capitale donc Jérusalem, et qu'on est en train de simplement d'essayer de dégager justement la voie de manière à ce que Israël puisse être cette puissance du monde et qu'elle puisse succéder justement aux États-Unis. Et pour ça, il faut qu'elle puisse dominer la région. Donc, on voit qu'il y a eu des guerres successives dans la région. Oui. Mais c'est pas qu'elle puisse, c'est qu'elle succède actuellement. C'est eux qui font la loi au Moyen-Orient. Hein, attention. Ils ont quand même 100 ogives nucléaires, tout le monde a peur d'eux et personne ne bouge. C'est un peu eux qui font. Regarde, Daesh et compagnie, jamais ils ont attaqué Israël. Oui, tout à fait. Jamais. Personne n'ose s'attaquer à Israël parce qu'on sait que c'est des vaillants, il faut le dire. Tsahal, c'est une armée bien équipée, c'est des bons soldats parce que c'est des gens qui sont très motivés. Personne ne les emmerde, personne. Aucun pays arabe n'emmerde Israël, voilà. Moi, je trouve ça bien, tant mieux. Mais les Américains, ils ont plus… je ne vois pas l'intérêt qu'on a à voir les Américains encore là-bas. C'est tout. Mais ils sont en train de se retirer pour tout mettre dans la mer de Chine. Parce que là, ça devient grave. Ça devient très grave. Voilà. Très bien. On va passer au sujet suivant. Merci à toi Gérard et Charmine et Mehdi. On va passer au sujet suivant et là on va se régaler. On va parler des élections et de la politique en général en France. Et première question Gérard, est-ce que tu penses, et après on passera sur Zemmour, est-ce que tu penses que Macron va être réélu? 100% et on va avoir 5 années de grave dictature. Il n'y a qu'à voir l'arrogance de ce mec. Moi, j'appelle ça un mec. Bon. Ouais. Je ne dis pas un monsieur. Ce truc, l'arrogance, dernièrement, il ne veut pas faire de campagne pour les élections. Incroyable. Et il sait qu'il va être élu. Il emmerde tout le monde. Il fait comme il veut. Il augmente le prix de l'essence. Après, il nous descend 15 centimes. Dès qu'il sera élu, ça va monter à 3 euros le litre. Hein, tu vas voir. Ouais. Et puis, la dictature, elle est déjà là. Il sait très bien qu'il a construit, fabriqué un troupeau de moutons avec ces injections-là. Maintenant, c'est devenu des moutons. Il y a 20 ou 30 millions de Français qui vont au garde-à-vous. Ils sont au garde-à-vous devant lui. Ils vont répondre toujours présent quand Macron demandera. C'est foutu. La France, c'est foutu, comme d'ailleurs toute l'Europe et le monde entier, partout, même chez nous, au Maroc et en Tunisie. Tous ceux qui se sont fait avoir par le Covid et tout ça, il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer, tu es au courant, non? Aiguille, seringue, exact, il paraît que si tu dis le mot, boum, donc on va éviter. Ouais. On va éviter. Et donc regarde, il a 30% maintenant. Ces 30%, c'est des gens qui ont reçu leur... Voilà, qui a été soigné, quoi. Alors, est-ce que les sondages, parce que les sondages, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Je me souviens, il y avait un, je te coupe, excuse-moi, il y avait un mec que je
qui avait. Tu peux toi-même payer un institut de sondage. Tu vois, moi-même, demain, je peux prendre mon téléphone, je sollicite un institut de sondage et je leur demande quelque chose. Après, ils vont te dire qu'est-ce que vous voulez sonder, 10, 20, 30 personnes. Voilà. Et lui, je crois qu'il a fait sonder à peu près 20 000, 30 000 personnes entre, à choisir entre Macron et un tabouret. Il y avait 92% de gens qui ont choisi le tabouret et 6% qui ont choisi Macron. Mais moi, la question que je me pose, c'est les 6%, est-ce que ce n'est pas des gens qui sont psychiatrisables? Moi, je me suis focalisé sur les 6%, parce qu'il y a quand même 6%. 6%, c'est énorme. Bah oui, quand même, oui. Bien Moi, sûr. ça, c'est un gars que tout le monde doit détester, ce mec-là. Mais tout le monde le déteste, mais au moment de la vérité, bah, ils sont impuissants à dire non. Voilà. Parce Exactement, c'est que ça. on en a fait des moutons. Voilà. Et comme je dis, la France, bientôt, quand Macron sera réélu, à la rentrée des classes, en maternelle et tout, on va leur apprendre à bêler. Comme les moutons. Ça va être la première langue de France. Ben, voilà, bêler. Ou alors à glouglouter. Parce qu'il y a des dindes, des dindons et des Et d'un autre moutons. Il y a part. de tout. Ça, c'est l'armée de Macron. Tu ne peux plus rien faire. C'est fait. C'est fait. C'est fini. Et Macron, il n'arrêtera pas parce que c'est un mégalomane. Tu sais, la cocaïne, ça te détruit le cerveau. Hein. Moi, je suis passé à côté de la destruction, je peux te dire. Heureusement, je me suis arrêté à temps. Mais c'est un mégalomane. Rien ne l'arrêtera. C'est même pas lui, c'est les gens qu'il y a derrière lui. Et on le sait très bien, les Rockefeller, les Rothschild et compagnie. On ne peut plus les arrêter. N'y a que Poutine qui les arrête à ses frontières. Mais en Occident, c'est eux qui vont faire la loi. Et moi, je dis aux Français, pauvres, pauvres Français, quand Macron sera réélu, parce que je dis qu'il va être réélu, on pourra faire tout ce qu'on veut, il va être réélu, eh bien, préparez vos valises et allez au Canada ou ailleurs. Parce que la France, ça va pas devenir. Ça, déjà, c'est plus la douce France, on le sait. Elle est aigre-douce. Elle est aigre-douce, la France, actuellement. Mais bientôt, elle va devenir carrément aigre. Ça va devenir l'enfer. L'enfer, c'est tout. Je te pose une autre Et il va question. rétablir le Covid, hein. Attention, au mois Ah de oui, mai. Hein. bien Ah, ben, sûr. je le sais de source sûre. Le pass est suspendu. Hein. Attention. C'est gaga. Suspendu. Après les élections, c'est parti. Là, on est en cours de récréation. Là, on est en train de s'amuser dans la cour de récréation. Ouais, Viens. on en profite. Moi, je vais au resto matin, midi et Viens. soir. J'en profite. Et Après, les gens, en voilà. plus, on leur a dit de retirer le masque, ils sont encore avec le masque, quoi. C'est Ouais, incroyable. ouais, mais Ah, ça, mais c'est ouais, c'est ça, c'est exceptionnel. les moutons. Ça, tu les vois. C'est Là, tu peux incroyable. dire, tiens, voilà un mouton. C'est ça. Ah non, mais il y a Et même des magasins, il a suspendu le pass, il y a même des magasins, tu rentres, ils te disent, ouais, chez nous, on l'applique encore. Il y a des mecs, ils en demandent, on a un ils n'ont pas peuple le de ça droit, ils n'ont pas trois le droit. ans. Moi, je rentre, Eh je ben, dis, va te magasin Non, comme ils n'ont ça. pas le droit de faire ça. Ils l'appliquent encore, mais avec qui ils veulent. Mais si tu veux pas, tu veux pas. Ouais. Ah, c'est Ah ouais. ça, c'est Non, mais c'est ça. pour dire la mentalité. On doit avoir le Mais choix. attends. Oui, mais la mentalité, je t'ai dit, c'est les moutons. Ils sont devenus de vrais moutons. C'est Ben, tout. moi, Mais est-ce j'ai que une c'est une question. majorité? C'est ça la question. Est-ce que c'est une majorité? Parce que pour qu'ils soient réunis, il faut que ça soit une majorité quand même. Oui, majorité ou pas majorité, c'est le trucage qui va faire la différence. C'est truqué, ben ouais, il s'est mis en place. Hein. Ah ouais, mais il peut tout faire maintenant. Alors, il y a Larcher, qui est la deuxième personne de France, qui parle d'illégitimité et tout. Ouais, Je j'ai ne pas sais très pas bien ce qui lui compris. arrive à celui-là, il Ouais. sort de son trou. Non. Jusque-là, il a laissé passer toutes les lois, les méchantes et tout. Et tout d'un coup, il dit, ouais, il y a un peu un air d'illégitimité et tout. Je ne sais pas où il va en venir, lui. J'ai Il pas veut très bien compris pas. aussi sa sortie. Ouais. C'est bizarre. C'est très, Bah, très, ils très ont bizarre. dû, ouais, ils ont Il n'a dû pas dû obtenir gain de lâcher. cause. Il n'a pas dû Hein? obtenir gain de cause. Il a dû demander quelque chose, ils ont dû lui dire non. Ah bon, bah, je vais faire comme cousin alors. Exactement, il s'est passé un drôle de truc. Là, maintenant, il se retourne contre Macron. C'est curieux, tant mieux, hein? Tant mieux. Ouais. Mais ça ne suffira pas. Ça Il suffira a pas aussi. Ouais. 30% de. Ah, il a 30%, il va être réélu. Mais t'as vu ce qu'il y a en face de lui, il faut arrêter, quoi. Putain, mais merde. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que Mais j'allais te dire. attends, ben voilà. Pécresse et Marine Le Pen, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Alors, Pécresse, je ne sais même pas si je dois penser à quelque chose d'elle. C'est un monstre. Cette femme, c'est l'horreur absolue. C'est Macron Absolue. féminin. Macron, à côté d'elle, c'est un petit gamin. C'est un petit joueur. Pas, Pécresse, si elle passe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est 10 fois pire que Marine Le Pen, que j'aime pas non plus.
Et non, non, Pécresse, c'est l'horreur. C'est qu'elle est riche, hein, elle a 10 millions d'euros de fortune. Ah, mais bien sûr, c'est une mentir. Ouais, ouais. Moi, elle était installée dans mon quartier, je ne dis pas où, hein, parce que bon, c'est bien, je n'ai pas besoin de donner mon adresse. Mais elle a été installée dans mon quartier pendant quelques temps. Elle m'avait abordé dans un café pour me dire « votez pour moi » et tout. Je dis « non, madame, je ne vote pas ». Je dis « vous ne fatiguez pas avec moi, je suis interdit de droit civique ». Définitif. Alors, c'est pas la peine. C'était réglé. Et je lui dis, mais même si j'étais pas interdit, je voterais pas pour vous. Il me dit, ah bon, mais sale gueule, putain. Elle me dit. Elle doit prendre de la coke, elle. Ouais, elle prend, que ça soit. Mais tout le monde prend de la coke. Tous. Ouais, c'est pas, t'es fatigué pas. Ils prennent tous. D'ailleurs, tu sais quoi? C'est Michel Sardou qui a confirmé tout ça. Michel Sardou, c'est pas n'importe qui, quand même. Moi, ouais. Quand j'ai dit que Johnny, il était homosexuel et tout, ouais, tout le monde m'a dit, ouais, t'es un mytho, t'es ci, t'es ça. D'accord, je suis un mytho. Eh bien, c'est Michel Sardou qui a confirmé il y a 4-5 mois dans une interview que j'avais raison à 100% sur tout ce que j'ai dit sur le show business et sur tout ce que j'ai dit, et que Johnny, c'était son grand amour pendant 2 ans. Ils ont vécu ensemble le grand amour pendant 2 ans. Et il dit, Johnny m'a fait souffrir. Voilà, il m'a fait souffrir. Tu dis aussi que Johnny a été avec un pied noir. Philippe Carbone. Carbone, c'était un grand gangster pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après, il a été condamné parce qu'il a trahi la France. Il a collaboré avec les Allemands et tout. Mais d'accord. Après, sa femme s'est sauvée au Maroc, à Tanger. Manouche, on l'appelait. Elle avait un bar à Tanger, puis le petit Philippe, moi je l'ai connu, il avait 13-14 ans, il suçait toutes les bites qu'il voyait, lui, c'était un taille de première classe. Hein, bon. Il adorait ça. Moi, il a essayé, j'ai dit, vas-y, casse-toi, j'ai dit, casse-toi d'ici là. J'ai dit, tu m'as pris pour qui? Il avait 14 ans, moi j'avais 15 ans, il voulait que je le nique. J'ai dit, casse-toi là. Mais il était beau, hein? Très petit blanc avec des petites frisettes blondes, des yeux bleus et tout. Et un jour, il me dit, moi j'en ai marre, je vais partir en France. Vas-y, casse-toi là. On n'a pas besoin de toi ici. Il est donc parti en France, il revient un an plus tard. Il revient avec Cartier, chaîne Cartier, beaucoup, beaucoup d'oseille. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'es tombé sur une mine d'or. Il me dit, plus que ça. Et j'ai dit, c'est quoi ta mine d'or? Vas-y. Et il me montre une photo de Johnny en train de se faire mettre, d'accord? Par lui. Et avec une femme dessous. Johnny, il aimait bien se faire prendre un sandwich. Oh, tu vois? Apprendre Bixi à Mito. Michel Sardou, il a dit le con, il a dit, monsieur Gérard, il a dit la vérité. Et il a parlé du show business, il a dit tout ce que Fauré a dit, c'est vrai, et je peux en rajouter encore sur la liste. Il y en a un qui a dit non, c'est pas la peine, Gérard Fauré nous a déjà tout dit. Mais il y a tellement à dire sur le show business, il me faudrait 10 ans. Regarde, on découvre. Mais c'est des gens à qui je veux pas faire de mal, on découvre que Depardieu, c'est un pointeur, c'est un violeur et tout, mais ils sont tous. Ils sont tous à la cocaïne, tous. Il n'y en a pas un qui ne prend pas de la coke dans le show business. Ils sont obligés pour bien travailler et tout ça. Moi, comme j'ai dit à ma juge d'instruction, quand elle m'a dit « vous avez empoisonné le peuple français », je dis « madame, d'abord, moi, je ne vendais pas ma coke à la sortie des écoles. Je la vendais à la sortie du Sénat, de l'Assemblée nationale, à la sortie même de l'Élysée. » Voilà. Voilà, et c'était des gens majeurs et vaccinés, et voilà. Et donc, il me dit, ouais, mais j'ai dit, non, mais attendez, madame, moi, je pense qu'on devrait me donner la Légion d'honneur, ou en tout cas, l'Ordre du Mérite. Elle me dit, ah bon, et pourquoi, en quel honneur? Il dit, madame, si Chirac, il tient encore sur ses pattes, c'est grâce à moi, parce que je lui ai emmené la meilleure coque du monde. J'ai dit, si Johnny Hallyday, il fait des concerts qui durent des heures et des heures, et vraiment, il y arrive. Des fois, il s'évanouit. Mais c'est grâce à ma coque qui tient le coup. J'ai dit, par exemple, Guy Dru ou Yannick Noël, s'ils ont gagné des matchs et tout, c'est grâce à ma coque. Et beaucoup d'autres comme ça. Je dis, moi, on devrait me donner la Légion d'honneur. Elle était morte de rire. Mais tu sais, j'ai fait pas mal de poèmes là-dessus.
qu'il faut on les. Comprend. J'en ai fait des slams, ils sont sur mon site officiel, gérardfort.com. Ça défile ils sont en bas, extraordinaires, ouais. Ils sont extraordinaires ces slams. C'est des poèmes chantés et parlés, c'est moi qui parle. Et il y a de la musique avec les meilleurs musiciens de France qui ont joué pour Patricia Cass, pour Higelin, pour beaucoup d'autres. C'est vraiment quelque chose, moi je voudrais que les gens aillent voir sur mon site officiel, c'est Slam, et puis il y a toutes mes émissions. Ouais, j'ai et mis donc, en bas, gérardforêt.com. Et puis j'ai mes deux tomes, les deux premiers tomes en audiobook. Formidable. Celui qui n'a pas envie de lire, il met ça à côté, hop, il conduit, et il écoute tout mon livre, parler et tout. Je fais de la pub parce qu'il faut quand même que les gens le sachent. En même temps, j'ai fait aussi... Je suis sur, comment ça s'appelle, le truc de Vidoléo, c'est ça? Vidoléo, pour les gens qui veulent des autographes en live. Donc, des autographes pour féliciter tel ou pour souhaiter un bon anniversaire. Sur Vidoléo, sur mon site, sur Vidoléo, ils peuvent avoir, tiens, j'en ai fait hier trois. Et voilà, c'est des... Moi, Gérard, le quatrième qui va sortir, moi, je le veux dédicacer, moi. Moi, je le veux dédicacer, quatrième. Ah, celui-là, il va faire du bruit, hein. Prends ton temps, il sort un bon truc. Hein? Prends ton temps et sors-nous un bon truc. Ah, mais t'inquiète, justement, je devais le rendre au mois de mars, mais non, je le rendrai l'année prochaine, ou peut-être au mois d'octobre. Je prends mon temps. Je prends mon temps, tranquille, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas besoin de sortir un livre chaque année. J'en ai encore 3 ou 4 à écrire. Tranquille. Tant que le bon Dieu me prête vie, je profite un peu de la vie et puis après on verra. Mais le tome 4, ça va être un massacre. On en discutera pour le dernier sujet. Ouais. Ça sera le dernier sujet, justement. On va revenir sur la politique. Et tu voulais nous parler de Zemmour, précisément. Et après Mehdi Charmine, je vous laisse revenir sur ça. Tu voulais nous parler de Zemmour. Ouais. Ben, Zemmour. Est-ce que, moi, déjà, ma première question vis-à-vis de Zemmour, excuse-moi, est-ce qu'il fait partie de la famille des gangsters Zemmour qu'il y avait à l'époque sur Non, pas du tout. Mais c'est un cousin. Il est... Un cousin, voilà. Mais des Zemmour, il y en avait des tonnes en Algérie. D'accord. Zemmour, ça veut dire l'olivier en arabe. En berbère, l'olivier. Ouais. Parce que lui, c'est un juif berbère. C'est ça. Alors, les juifs berbères, il faut savoir qu'on ne peut pas trop leur faire confiance. C'est des traîtres, d'accord, en Algérie comme au Maroc, même comme en Tunisie. Ma mère qui était berbère, elle me disait, oh, ceux-là, ils ont trahi leur religion pour devenir juifs, ils étaient musulmans avant ou chrétiens et tout. Et on ne peut pas leur faire confiance. Et surtout en Algérie, c'est des gens qui renseignaient les Français. Et c'est pour ça qu'à un moment, pour les récompenser, on leur a donné la nationalité française, alors qu'on ne la donnait pas aux Algériens musulmans. Donc ces gens-là, ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Mais maintenant, à choisir entre la peste et le choléra, franchement, moi je préfère encore Zemmour que Macron. Parce que Macron, c'est ce qu'il est, on ne va pas dormir tranquille quand il va prendre le pouvoir. Zemmour, il peut peut-être nous apporter du bon. Il est très intelligent comme type, mais il est trop raciste et il veut trop faire un retour en arrière de la douce France et tout, mais ça, c'est plus possible. Quand il parle de reconquête, dans plusieurs émissions, j'ai dit, mais reconquête de quoi ? Tu te prends pour Napoléon, tu veux reconquérir le Canada, tu veux reconquérir quoi ? La Floride ? Vas-y, dis-nous, tu veux reconquérir quoi ? Ah justement, Charmine. Ouais. Charmine, on en avait discuté la dernière fois de ce terme reconquête. Ouais. C'est une référence à la Reconquista d'Espagne. Comment ça, à la Reconquista d'Espagne? Comment? En fait, à l'époque, les rois catholiques ont été mis. Ont expulsé les. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les rois catholiques. Le nom espagnols. De son mouvement a un rapport avec ça. Donc, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est surtout instrumentaliser. Les chrétiens pour les monter après contre les musulmans et dégager. Ah ouais, c'est ça, oui, ben c'est ça c'est le mauvais côté de Zemmour. Ça fait référence. Zemmour y passe, il y aura une guerre civile, c'est obligatoire. On ne peut pas y échapper. Même si Macron y passe. Macron un peu moins parce que Macron, il n'est pas raciste. Il aime bien les Arabes, il aime bien les Juifs, il aime tout le monde. Ils ont des thunes.
Il aime bien les cachelouches aussi, surtout. Quand ils ont parce drame, que, pareil, hein, oui. Ils ont des belles bites et tout, ils ont des grosses bites. Bon, donc non, mais écoute, on ne sait pas. Moi, je vois pas qui pourrait nous gouverner. Bon, donc, à tout prendre, je préfère encore Zemmour parce qu'il est chez nous au moins. D'accord ? Je ne pense pas qu'il va faire des misères à ceux qui ont des papiers, ceux qui travaillent et tout. Mais avec déjà, il ne peut pas le faire. C'est impossible. Hein? C'est impossible, il ne peut pas le faire. Il va essayer. Ouais. Il va mettre l'armée, la Légion étrangère et tout. Il va essayer de reconquérir l'ancienne France, mais il ne peut pas. Et moi, j'ai dit, écoute, dans une émission, je dis à Zemmour, écoute-moi bien, Al-Ahmar, écoute-moi bien. J'ai dit, tu parles de reconquête, ok. J'ai dit, mais rappelle-toi d'une chose. Ton père t'a dit, dans son lit de mort, « Mon fils, la France nous a ouvert ses bras quand on en a eu besoin. Remercie la France. Et maintenant, ouvre tes bras à la France. » Sauf que il a oublié de lui dire « Ouvre tes bras à la France de ton époque. » Et non pas à la France qu'il a connue lui-même, le père. Parce que la France a changé. La France de son père... Et la France d'aujourd'hui, c'est plus la même. Aujourd'hui, c'est la France de la diversité. Voilà, il y a de tout. Le monde entier est en France. Et tu trouves de toutes les nationalités. Voilà. Ça, le père, il a oublié de lui dire. Et lui, non. Lui, il veut juste reconquérir la France d'antan, d'avant. Ça, c'est fini. Il n'y a plus un Français qui peut dire « Moi, je suis Français de souche. » Alors, moi, mon père, c'est un Gaulois de Carcassonne. Il y a au moins 50 générations de Gaulois derrière lui. Mais il a fait la connerie, puisque je suis vivant, je suis là, il m'a donné la vie, d'aller voir une petite chilha, une petite berbère de 11 ans, il l'a épousé, il était un peu pédophile, mon père aussi. Hein. Ouais. Remarque qu'ils étaient tous dans l'armée française. Quand ils ont vu mon père se marier avec ma mère à 11 ans, prendre ma mère à 11 ans, il s'est marié à 15 ans parce que c'était interdit à 11 ans, mais ouais. Il l'a prise quand même à 11 ans. Et la moitié de l'armée française s'est précipitée dans la brèche pour aller à nous, les petites berbères, tu vois. Ils ont sillonné tout le Maroc et chacun se marier. Il y en a plein des franco-marocains comme moi, il y en a plein. Hein. Faut pas croire. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de racisme là-dedans. Mais Zemmour, lui, il oublie. Il veut s'attaquer à la France d'aujourd'hui, il veut changer les prénoms, mais il est malade. Ben, qu'il change son nom lui aussi. Parce que Zemmour, c'est un nom arabe, ça, berbère. Ah ben, on va changer, pourquoi que le prénom? On va changer son nom, on va l'appeler Moumour. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Dupont. Éric Dupont. Moi, je dirais le Qard, le singe. Elle a une tête de singe, le mec, c'est pas possible. C'est un chameau dans un corps de crevette. Donc, non, mais vraiment. Oui, ouais, c'est une crevette, mais moi j'ai une photo de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'un mec comme ça, il se tienne face à Poutine, il se tienne face à Loukachenko, il se tienne face à Erdogan? Il faut se méfier de ces petits-là. Ouais, il est ténu, ça se voit qu'il est ténu, mais moi, face à Poutine, tu as choisi ce qui est le plus difficile. Tu vois, il n'a pas le charisme. Poutine, ou... hein, il a le charisme. Il n'a aucun charisme face à eux. Non, il n'a aucun charisme, mais il est très intelligent. Très intelligent. Ça, il faut le reconnaître. Il est instruit, il est bien. Voilà. Mais de toute façon, moi, je le préfère à Macron, hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Et je le préfère. Alors, Pécresse, j'en parle pas, j'ai envie de vomir là. Ça me donne des nausées quand je vois sa tête. J'ai envie de lui rentrer dedans, lui casser tout. Ah, je dis, quelle horreur de femme! La grosse Le Pen, c'est pareil. Mais et puis c'est des gens très versatiles. Ouais, tiens, son père, quand tu la regardes, elle est répugnante quand même. C'est vrai. Répugnante. Et son père, à l'époque, quand je suis tombé moi en 86 avec 15 kilos de cocaïne, on a interrogé le père. On lui a dit, Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous auriez fait vous si vous étiez président à la place de Mitterrand? Il dit peine de mort, comme ça. Il a ta gueule, peine de mort. Il a la peine de mort, vous voyez. Prenez la peine de mort. Comme ça. Eh bien, si tu regardes Journal de bord 525, tu sais qu'il fait des journaux de bord, plein. Alors, le 525,
Tu vas voir la versatilité de ce monsieur. Il m'encense, il montre mon bouquin, tome 1. Ah oui, carrément. Il... Ben regarde ce soir quand tu auras le temps. Je vais regarder, ouais. 525, journal de bord 500. Tu vas tomber sur lui. Il me vend. Il me dit, regardez ce livre, c'est le formidable, prégnant, pissi, pas là. Il l'a montré 10 fois. Il faut l'acheter, bababab. C'est incroyable. Juste parce que je parlais de Chirac dans mon livre, voilà. La versatilité de ces gens-là. Et mais pendant 10 minutes, 15 minutes, c'était mon meilleur ami. Et le lendemain, j'ai vendu 5000 livres dans la matinée, grâce à Le Pen. Merci Le Pen. Ah ouais. Que Dieu te garde. sa fille, Travaud, dégage. Va te faire voir ailleurs. Par contre, Maréchal, Marion Maréchal, celle-là, je la verrai bien présidente bientôt, dans 10 ans. Dans 2 quinquennats, elle va être bien, cette femme. Elle est mieux que Marine, de toute façon. Ouais. Alors, juste avant de te... Alors, je ne me rappelle même plus c'était quoi la question. Bah, Mehdi, je te laisse revenir sur un point, si tu veux. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Non, mais moi, en fait, quand j'écoute tout ça, la seule chose qui me vient en tête, justement, c'est on parle des... Bon, c'est amusant d'écouter tout ça. Ça fait un peu potin, entre guillemets. Mais moi, on parle des présidents comme s'ils avaient le pouvoir de décision absolue. Or, on sait pertinemment... Macron, il l'a. Il nous l'a démontré. Il suit surtout, à mon sens, une feuille de route qui lui a été dressée par ceux qui l'ont conduit au pouvoir. On voit pertinemment que, d'ailleurs, on pourrait même établir très facilement une convergence entre la crise Covid qui a eu lieu, parce que les choses se sont enchaînées hein, pendant son quinquennat. Hein, on a eu la crise Covid, puis là, maintenant, on a la guerre en Ukraine. Bon, ouais. La fausse crise Covid, attention, ne tourne pas. La fausse crise Covid, je suis d'accord. Ouais, Madame Buzyn, ministre de la Santé, je dis madame, je dis le carbonal, c'est pas une femme. Khamjaga. c'est une salope. Elle a pourri toute la France, elle a laissé des gens mourir du Covid. Elle a dit elle-même que ça a été une grande mascarade. Elle est mise en examen, hein, Buzyn. Buzyn, il y a le mot buse dedans. La buse, c'est le rapace le plus dangereux de France. La buse, c'est connu. Et elle, c'est buse 1. Buse 1, il y a buse 2, et il y a buse 2, c'est son mari. C'est une équipe de salopards qui ont laissé les Français mourir juste pour gagner de l'argent. Parce qu'elle a interdit l'hydrochloroquine et l'autre, je ne sais plus quoi là. L'ivermectine. Voilà, l'ivermectine, ouais, je ne sais plus comment. Ouais. Et voilà, et puis après, elle a donné sa démission. Elle est allée travailler pour l'OMS. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est monstrueux. Elle est mise en examen. On va voir ce que ça va donner. Du coup, elle commence à balancer maintenant. Elle balance un peu tout. Eh ben, j'invite les gens à aller regarder l'interview de Juan Branco sur Sud Radio. Il a expliqué pourquoi est-ce que, comment ça s'appelle, Buzyn, elle a fait tout ça en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? Elle a commencé à les dénoncer et tout. Pour aider son mari, Lévi. Il y a ça, mais il y a aussi un autre truc. C'est le directeur de l'Institut Pasteur à Wuhan. D'accord. Je t'enverrai la vidéo, Gérard, tu vas voir. J'ai halluciné. Je sais, t'inquiète pas. Moi, ce que je voulais parler, c'était un petit peu de Pascal Praud. J'ai entendu dire qu'il a fait une émission sur Alain Delon et tout ça. Et il a dit... Pourtant, moi, je l'aime bien, Pascal Praud. Je vois que c'est un vrai journaliste. Voilà, il est bien. Il est bien à ce niveau-là. Mais là, il va un peu loin. Il dit, Alain Delon, on ne touche pas. Moi, j'ai envie de lui dire, d'abord, on commence par les enfants. Les enfants, on ne touche pas. D'accord? Et après, Alain Delon, si... Mais... Parce que tout le monde sait ce que j'ai dit sur Alain Delon, d'accord, avec les enfants et tout. Je ne vais pas le répéter parce que, voilà. Mais j'ai envie de lui dire, non, on commence par les enfants. Les enfants, on ne touche pas. On les laisse vivre. Ce sont des petits anges. On ne les prend pas, on ne les séquestre pas pour faire de l'adrénochrome et pour les vendre à des Saoudiens ou des trucs pour vendre leurs organes. On commence par là, d'accord. Après,
j'ai envie de lui dire, monsieur Prod, parce que bon, je le respecte quand même, avant de dire des conneries, réfléchis un petit peu, d'accord ? Parce que tu es en train de défendre l'indéfendable, ok ? Tu es en train de défendre le plus grand monstre que la France ait eu depuis des décennies. Après, quand tu dis que Alain Delon est une erreur génétique, non, ce n'est pas une erreur génétique. Moi, j'ai bien dit dans mon tome 2 que le bon Dieu et le diable se sont mis d'accord pour fabriquer Alain Delon. D'accord ? Le bon Dieu lui a donné une belle gueule, on est d'accord là-dessus, et le diable lui a donné sa noirceur d'âme. Parce que pour moi, ce type-là, c'est très méchant. Il l'a reconnu. Il a reconnu qu'il, dans une interview, qu'il était très méchant et que j'ai raison. Mais il est très, très méchant. Et ce n'est pas parce qu'il a fait 4 ou 5 bons films, parce qu'il avait un bon producteur, qu'il a bien, voilà. Ce n'est pas parce qu'il a fait 3 ou 4 bons films que c'est devenu un dieu. Alors que Pascal Prod, quand même, qui est un bon animateur, un bon speaker, un bon tout, il soit en extase devant Alain Delon. Je trouve ça un peu pathétique. Un peu pathétique. J'ai envie de dire qu'il est resté bloqué à l'adolescence. Quand il adulait, il adorait Alain Delon. Mais Alain Delon, c'est fini. C'est un has-been. Plus que has-been. On n'en veut plus. Tu as vu comme il est pourri maintenant. Tu as vu sa tronche. Tu as vu ce que ses enfants disent de lui. Mais c'est quoi ? Et lui, il l'adore. Et il continue à l'aduler. Il dit, on ne touche pas Alain Delon. Et il y en a un qui lui a dit, mais Gérard Fauré, il l'a fait. Il dit, oui, je reconnais qu'il a eu une grosse paire de couilles pour s'être attaqué à Alain Delon. Oui, j'ai une paire de couilles, je me suis attaqué à lui. Et alors, il ne m'a pas fait de procès. Hein, pourquoi ? Parce que j'ai raison, c'est tout. Qui ne dit mot qu'on sent ? Alain Delon, c'est un immense procédurier. Pourtant, moi, il m'a évité. Et pourtant, je l'ai supplié dans plusieurs émissions, j'en ai fait plein sur lui, qui ont été effacées. Avec, chez Hanouna, chez... Chez Hanouna et l'autre, Fréquence Radio. J'en ai fait 4 ou 5 oui. Sur Alain Delon. Je l'insultais copieusement. Mais il n'a jamais bougé une oreille. Ben voilà. Et moi, je lui dis, mais Alain, s'il te plaît, fais-moi un procès. Là. Fais-moi, je te remercierai toute ma vie. Fais-moi un procès. Et voilà, parce qu'un procès, je passerai dans le monde entier. D'accord ? Alain Delon, il était connu avant. Voilà. Moi, en train de lui casser la tête, c'est un rôle que j'adorerais. Il ne veut pas. Pourtant, bon, après, comme je lui ai dit aussi dans mon tome 2, je dis, Alain, je sais très bien que toi, tu es vindicatif. Je sais que tu vas m'envoyer du monde, et en particulier des gitans, parce que tu t'entends très bien avec les gitans. Il dit, mais fais attention, si tu m'envoies du monde, il ne faut pas qu'ils me ratent. D'accord ? Parce que moi, je ne te raterai pas. Voilà, c'est ce que je lui dis. Bon, curieusement, j'ai eu affaire à 2 gitans il y a quelques mois de ça. Ils sont en prison parce qu'ils viennent dans mon quartier, les mecs, à 2 avec des tranches pas possibles. Ils s'installent en bas de chez moi, dans une voiture, ils croient qu'on ne les voit pas. Et moi, j'ai envie de leur dire, souriez, vous êtes filmés. Il y a des caméras partout. On ne les voit pas, mais elles sont là. Et donc, le mec des caméras, quand il voit des gitans qui restent plus d'une demi-heure, une heure dans leur voiture à m'attendre, ben il appelle la police. Et moi, j'ai vu, je sortais avec mes chiens et tout d'un coup, je vois les flics en train d'arrêter les gitans, les sortir de la bagnole, bourrés d'armes. Ils avaient de tout, des couteaux, des pistolets et tout. Et il y en a un, il m'a regardé, il m'a fait comme ça. J'ai dit, tiens pour toi, vas-y. J'attends qu'ils sortent de prison, qu'ils reviennent. On va voir. Ouais. Ils sont pas invulnérables. Hein. Non, mais donc, clairement. Voilà. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent, mais j'ai mon idée. Ouais. D'accord. C'est comme le Maroc, c'est pareil. J'ai reçu la visite dans ma ferme. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mon adresse, parce que pour arriver là-bas... Et j'ai reçu la visite de 2 Marocains à 10h30 du soir. Et mes chiens ont commencé à aboyer. À 1 km, ils entendent tout, mes chiens. Bien sûr. Et tout. Voilà. Et ils m'ont attaqué. Ben, il y en a un qui a laissé pas mal de sang par terre et ils se sont sauvés en courant. Voilà. Ah ouais, et puis, c'était récemment ça ou c'était il y a quelques mois ? Il y a 6 mois de ça à peu près. D'accord, ok. Ouais. Ah oui. Mon ouvrier, il dormait là-bas. C'était le moment où le troisième tome était sorti, ouais, il y a 6 mois à peu près. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça coïncide. Et mon ouvrier, c'est un chasseur,
comme il dormait chez moi pendant quelque temps, eh ben il avait son fusil. Ouais. D'accord, un 16 mm, c'est méchant, ça tue les sangliers, ça peut tuer. Eh ben lui, il a bien tiré sur le mec, sur un des deux, et parce que quand je les ai vus sauter le mur de ma propriété, j'ai dit, vas-y, tire, bac, de nuit en plus. Comme des lapins, quoi. Ouais. Ah, ils ont couru, hein. Ils ont couru, je peux dire qu'ils ont couru, putain. Un même blessé, et puis ils ont laissé une tache de sang, une trace de sang pas possible. Je pense pas qu'ils reviendront, ceux-là. Mais par rapport à tout ça, par rapport à tout ça, toi, tu reçois des menaces quotidiennes, des... Non, je reçois jamais de menaces. C'est ça qui okay. est extraordinaire. Mmh. Jamais. Par contre, là, j'ai été mis en... Justement, on va en parler à la fin, ouais. On va en parler, ouais. Ça va être le dernier sujet, ouais. Tu vas nous parler de ce dont on a parlé au téléphone. Moi, j'ai juste une question à te poser, à aller dans le chat, et après, on passera sur le dernier sujet, après, on conclut. Il y a une question sur le chat qui te dit... Est-ce que tu peux lui demander si Brigitte est un trans, selon toi ? Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi. C'est Est-ce que c'est flagrant ? Est-ce que c'est flagrant ? Avec ton expérience, justement, de... Pas trop flagrant, mais bon, tout le monde le dit. Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas couché avec elle ou avec lui. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment... Je peux le deviner, moi, si on me demande oui pour moi... Oui, ça m'en a trouvé. Il y a un truc qui cloche, en tout cas. Ben, il y a un truc énorme qui cloche, bien sûr. Mais après, bon, c'est une drôle d'histoire, Brigitte, ou alors Jean-Michel Trogneux, je ne sais pas. C'est une drôle d'histoire. Mais si Macron ne passe pas, il y aura des mises en examen, hein, parce que si vraiment c'est vrai, Brigitte ou Jean-Michel auraient violé Macron à l'âge de 8-10 ans. Et ouais. Donc, ça, il y a de la pédophilie là-dedans, il y a du tout ça. Parce qu'on voit une photo où Macron, il a 8 ans ou je sais pas quoi, avec un vieux derrière et puis Jean-Michel ou Brigitte derrière aussi. On se demande ce qui se passe. Déjà, là, quand tu vois ça, tu dis, oh là, c'est quoi cette histoire ? Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, le Macron et tout. Vas-y, d'où il sort ? Est-ce qu'il nous a parlé de son père et sa mère, Macron ? Jamais. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce parent. Donc, d'où il vient ? Fabrication made in Rothschild. C'est la question que tout le monde se pose. Son passé. Et on n'aura pas les réponses tant qu'il sera au pouvoir. Exactement. On ne les aura pas. C'est tout. Mais non, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un mec curieux, Macron. Mais il est d'une arrogance et d'une suffisance incroyable. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Il se permet des trucs vraiment incroyables et personne ne dit rien. Voilà, il n'y a pas de réaction vraiment. C'est un être superficiel dans le dictionnaire. Voilà, c'est un être superficiel. Tu as tapé juste. Lui, dans le dictionnaire du Trudeau. Vu que tu aimes bien les mots, Gérard. Hein? Vu que tu aimes bien les bons mots, je vais t'offrir un mot. À l'époque, au 19e siècle, on appelait ça un dandin, un gommeux, tu vois, un gaugureau. Un dandy. Tu vois ah, un dandy, oui, c'est un dandy. Bien sûr. Mais c'est quand même assez curieux. Moi, je pense que c'est pas des clones, mais ils ont été fabriqués par les Rothschild. Il y a une école spéciale des Rothschild où il y a eu Justin Trudeau. Le mec le plus salaud du monde, c'est Justin Trudeau au Canada. C'est vraiment. Alors, lui, c'est la pourriture des pourritures. Il dépasse Macron d'une longueur, quand même. Hein. Mais son je pense qu'ils ont été. Son père était Premier ministre à Trudeau. Ouais. Mais je pense que ce mec-là, il a été formé dans une école Rothschild et d'autres, le Premier ministre de l'Australie, pareil, de Nouvelle-Zélande, pareil. Tous ces gens-là ont été formés pour dominer le monde, pour installer le deep state, tu vois, l'état profond dans le monde. Et voilà, mais ils voient qu'ils sont en train de se casser la gueule. Justin Trudeau, il a eu de graves problèmes. Macron, il est en train d'essayer de comment dire, de limiter la casse parce que le moment venu, il sera mis en examen parce que c'est peut-être Buzyn qui va le foutre en l'air. Hein. Quand elle va passer au tribunal, je pense que comme elle n'a plus besoin de Macron et qu'elle ne travaille plus en France, elle travaille à l'OMS, elle va peut-être tout balancer parce qu'elle aura peur d'aller en prison. Bah, Gérard, déjà, elle a dit que c'était une immense mascarade, c'est déjà énorme. Avant de donner la parole
Achermine et Mehdi, comment dire, je pense que tu sais que les plus grands tyrans, leur régime, il s'est arrêté à partir du moment où c'est de l'intérieur où ils se sont fait trahir. Ouais, exactement, bien sûr, bien sûr. On a corrompu leur intérieur, ou bien l'intérieur n'était plus d'accord avec eux. Voilà, mais comme Jésus-Christ avec Judas, c'est pareil. C'est Donc ça. moi, je pense que c'est Buzyn qui va le foutre dans la merde. Et ça va être le témoin en charge, parce qu'elle ne veut pas tout encaisser. C'est normal, c'est une femme en plus. Elle n'a pas des couilles d'homme. Hein. Peut-être, remarque, parce qu'elle a une sale tête de toute façon. Moi, je n'aime pas cette femme. Et son mari, Lévi, et tout, bah, Très j'aime pas arrogante ce aussi, hein. genre. Très, très Hein? arrogante, très méprisante. Oui, mais oui, mais. C'est Mais ils sont tous méprisants dans ce gouvernement. T'as vu le castré, là? Castrex ou castré, je sais pas. Voilà. Et l'autre, Attal, Castex non, Attal, Attal. Attal. Blanquer. J'ai glissé, j'ai glissé sur les mots. Il y avait une faute Attal. banale. Je dis toujours Attal, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me vient à l'idée. Bon, Attal, t'as vu comment il sautille comme un petit oiseau? Oui, mais. Et c'est ça qui nous gouverne, la putain de merde. Ah, vas-y, c'est pas possible, ça. Je rêve, moi, quand je vois sa tronche, je dis, mais c'est pas possible. Il a quoi? Il a 12 ans, lui. Il a quel âge? Il est Il là est à comme mon un âge, petit il est à mon âge, là. oisillon. Il est dans la trentaine. Oh là 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 là, mais l'instant, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous fait le bon Dieu à nous envoyer des gens pareils? Et l'autre Varan, là, Varan. Moi, je l'appelle le Varan. J'ai dit dans une émission, Varan, bon, le Varan, c'est un espèce de crocodile gentil, pas trop méchant, apprivoisé. Mais j'ai dit que lui, c'était comment on l'appelle, le monstre du Komodo, là, Ouais, le le gros Komodo, Varan. le Varan Ouais, Komodo. dans une île indonésienne. Moi, je l'appelle le Varan du Komodo, du Komodo. Lui, c'est le méchant des méchants. Varan, Véran, Véreux, je sais pas. On peut lui donner tous les prénoms, tous les noms qu'on veut. Il a une tête à ça. Hein. Il a une tête qui se prête à toutes les insultes, lui. Non, Véran. lui, c'est particulier, lui. Charmi, je te laisse la parole si tu veux revenir sur un point, après Mehdi, et après on ira sur le dernier sujet. Yallah, Chermine. Hadermaya, bah oui, pour compléter, je vais juste dire que Macron, c'est la poupée MK Ultra. Hein, ça, après, c'est comme c'est les la gens du quoi? showbiz. La poupée MK Ultra, qui était. À Le la MK Ultra, c'est poupée. les. Ouais. C'est important, en fait. D'où tu sors ça, toi? La poupée. D'où tu as sorti Bah, ça? c'est C'est un ça, en truc fait. de femme. Tu joues C'est encore à la quelqu'un poupée, là, Shermin? qui. Hein? Non, mais c'est important, il exécute les ordres, en fait, comme beaucoup. Donc Ben après. ouais, bien sûr. La poupée, mais la poupée Sheltra, je connais pas, moi. C'est quoi, une Barbie, ça, ou MK c'est quoi? Ultra. MK, MK MK Ultra. Ultra. Je connais pas. MK. Alors, C'est une bah poupée vas-y. qui obéit à tout ce qu'on lui dit. Oui, Non. c'est vrai ce que tu dis, c'est J'ai dit tout à fait poupée parce ça. qu'il exécute les ordres, mais après, MK Ultra, c'est un processus qui c'est basé sur la dissociation. Après, je sais pas si je vais réussir à le Donc, alors, à bien le développer, mais après, il ne fait en fait, pas qu'obéir. Il met du sien aussi. Il met le du MK sien Ultra, c'est un. aussi. Mais Hein? alors, vite fait, le MK Ultra, c'est un, comment dire, c'est un programme que les États-Unis ont développé pour Voilà, c'est ça. manipuler justement des gens à distance ou et tu sais, c'est des gens qui sont formés Comme pour les stars du détourner. showbiz. Voilà, Mais exactement comme des stars du showbiz, bien sûr. c'est ce qu'ils veulent faire de nous maintenant avec la 5G et tout. C'est ça. Et ce qu'on nous met dans le cerveau avec le test PCR, là, Ouais. un petit truc nanométrique, là, c'est ce qui va permettre le contact avec la 5G et tout ça. Et tout ça. Voilà. Il branche les Mehdi, prises. Hein? justement, Mehdi, comment dire, toi, tu avais abordé ce sujet au niveau du, si tu veux revenir dessus, frérot, au niveau du MK Ultra, tout ça. Oui, excuse-moi, Zied, j'ai pas trop écouté on va dire la dernière minute. Non, c'est pas grave, en fait, on parlait du MK Ultra par rapport à Macron, Trudeau, tout ça. Oui, et que voulais-tu savoir? Toi, tu as déjà abordé le sujet justement, tu vois, parce qu'on est en train de. Gérard ne connaît pas trop MK Ultra, et comme tu en D'accord. avais parlé, ouais, si tu peux nous l'expliquer rapidement. Oui, tout à fait. J'avais fait un espèce de petit documentaire, Qu'est-ce entre qui se guillemets, passe? sur ma chaîne, J'ai couché ici. sur le MK Ultra.
Le MKUltra, simplement, c'est une technique de contrôle mental qui vise à, par comment dire, un choc émotionnel, à partitionner le cerveau et à créer ce qu'on appelle un désordre mental, et donc une partition du cerveau en plusieurs compartiments, ce qu'on appelle le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. De cette manière, on peut conditionner chaque partie du cerveau à une tâche spécifique. En général, ça survient à la suite d'un viol, d'une action violente, hein, en général, et généralement d'un viol, notamment enfant, puisque c'est là que le choc est grand et donc qui permet de partitionner le cerveau. Donc voilà, c'est ce qui a permis de créer ce qu'ils ont appelé le candidat Manchu. Tu sais, le mec qu'on va mandater pour aller tuer quelqu'un, comme ce fut le cas notamment lors de l'assassinat de Kennedy. On soupçonne fortement une personne qui a été manipulée mentalement pour aller tuer le président. Donc voilà, la technique MKUltra, c'est une technique tout simplement de contrôle mental qui survient à la suite d'un choc émotionnel. Mais Merci à toi. on avait ça il y a plusieurs siècles. Il y avait les hashishins qui étaient Oui, oui. manipulés, on leur donnait un peu d'huile de C'est de la drogue. hashish et on les envoyait tuer qui en voulait. Ça, les hashishins en Syrie, ils étaient manipulés mentalement, bien sûr. En Ils fait, c'est étaient le aux même. ordres, on leur Ouais. disait tue celui-là et tuer, et tuer, mais ils étaient à base d'huile de cannabis. Voilà, Hashishin, c'est ou bien. principalement dans les sectes et notamment dans les maçonneries et en tout cas, les maçons pratiquent énormément, énormément ce type de choses-là. Et il faut comprendre que c'est un espèce d'héritage, entre guillemets, qui se transmet générationnel. L'enfant est violé, il viole son propre enfant, et puis Ouais, voilà, ça ça, continue, ça continue. Voilà. ouais, ça j'en ai parlé aussi. Je dis toujours qu'un enfant violé, ça fera un futur pédophile qui violera à son tour, C'est ça, fait. et ça devient exponentiel. Voilà, parce que il faut quand même savoir qu'il y a 50 000 enfants qui disparaissent chaque année en France, hein. Mais On ne sait pas où la ils sont. pédophilie, alors je crois que c'est toi aussi, Gérard, qui en avait parlé dans une émission où tu avais précisé Mais que grave, dans plusieurs émissions, hein. les pédophiles, en général, enfin la pédophilie, un enfant violé devient plus facilement homosexuel qu'hétérosexuel. Ah ben bien sûr, c'est évident, mais pédophile aussi. Moi, je peux en parler parce que dans les Les prisons homosexuels sont françaises, pédophiles, j'ai eu ouais. l'occasion de parler avec des petits, moyens, grands pédophiles. Et je leur posais toujours la question et j'avais toujours la même réponse, c'est-à-dire, pourquoi tu violes des enfants? Ils disent, parce que moi, quand j'étais enfant, on m'a violé, maintenant je viole à mon tour. C'est Eh le même oui, mais schéma. mon pote. Quand on sait qu'un pédophile qui ne se fait pas choper, il peut violer jusqu'à 300 ou 400 enfants dans sa vie, ces 300 ou 400 enfants vont violer chacun aussi 300 ou 400 enfants, et on va s'arrêter quand? Voilà. Donc, ben moi, en ce moment, je me bats contre ça, contre la pédophilie. Notamment, je me bats contre Wanted Pedo. Je ne sais pas Justement, si bah, tu connais. c'est le Ouais. sujet justement. Bah, justement, on clôture par rapport au monde du showbiz, la politique, etc. Et on bascule dans le sujet. Merci à toi, Mehdi, pour cette explication, frérot. Et Ouais, justement, très belle explication, Gérard. très belle, bravo. Et justement, Gérard, tu voulais nous parler de ce sujet-là, de la pédophilie, et en particulier, tu as un procès qui arrive là, très bientôt. Et bah, je te laisse nous en parler. Ben, j'ai reçu une convocation au tribunal cour d'appel de Dijon. Là, je l'ai reçu il y a quelques jours. Ce serait Wanted Pedo, donc Maxime Manteau, bien sûr, qui a porté plainte contre moi. Rappelons-le, Wanted Pédo est une association anti-pédophilie, etc. Donc on le Oui, rappelle. qui se dit anti-pédophile, d'accord? Oui. D'accord. Moi, je l'ai accusé d'être le plus grand pédophile de France. Je l'ai accusé, avec preuve à l'appui. Et il se trouve que Maxime Manteau a fini par être condamné. Il a fait 22 jours de prison et maintenant il est en contrôle judiciaire. Donc là, la juge, je ne sais même pas comment elle a pu accepter la plainte de ce monsieur. Alors il faut savoir que ce monsieur s'est plaint il y a, je ne sais pas combien de temps, il s'est plaint de moi, comment il s'appelle, François Radical, je ne sais pas si tu connais François Radical. Je vois à peu Il fait près, des émissions, il fait des émissions. ouais.
Et de Gina Jad, Gina Abadi, qui est une fille très intelligente, qui s'y connaît beaucoup en droit. Ça a commencé avec elle, je ne sais pas, il y a eu un démêlé entre eux. Et donc, il a porté plainte contre les trois. Le premier, François Radical, il a été interviewé par la police de Nanterre, qui ont classé l'affaire. D'accord? Ils ont classé. Non, la police de Aix-en-Provence, pardon. OK. Parce que le mec, il est en procès partout, hein. Il a 9 chefs d'inculpation, 3 procureurs et 3 juges d'instruction sur le dos. Et il ose prétendre qu'il n'est pas ce que je dis. Voilà. Alors ça, c'est à mourir de rire. Mais la juge de Dijon, je pense qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que le mec, quand l'affaire a été classée à Aix-en-Provence, ça n'est pas allé plus loin pour nous, pour moi et Gina. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé porter plainte à Dijon, soi-disant, alors qu'il n'est même pas domicilié à Dijon. Donc voilà. Alors moi, je ne comprends pas, mais je vais demander un truc en nullité, une requête en nullité. Si on ne fait pas, ben voilà, pour les gens qui m'entendent, c'est le 31 à 9h du matin. Pour les gens qui m'entendent, eh ben, ceux qui veulent me protéger, comme ils ont fait quand j'ai eu le procès contre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, eh ben, c'est à Dijon que ça se passe. C'est tout bon. Après, j'irai avec des gardes du corps aussi parce que j'ai l'impression que ce mec-là, il va me foutre ses amis du kickboxing sur le dos et tout. Donc, je vais prévenir la juge. Si elle veut que je vienne, il me faut une protection pour une protection parce que j'ai pas le droit d'avoir des armes sur moi. Donc, si deux ou trois mecs me tombent dessus, c'est chaud, quoi. Donc voilà, je préviens que les gens sachent. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe à Dijon. Rien à voir avec les faits se sont passés ici. Donc je comprends pas pourquoi Dijon. Voilà. Et je vois mon avocat, un avocat demain, qui est un des meilleurs avocats de France. Il s'appelle Mexter ou je sais pas quoi. Mexter. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, je crois, oui. Metzger. Metzger. Il est sur Paris? Il est sur Paris, ouais. D'accord, non, bah, je confonds C'est avec une un autre. bombe atomique, ce mec. Mexter, c'est Dupond-Moretti en plus honnête Et en et plus sérieux. en moins cocaïnomane. Donc, voilà. Non, c'est un mec formidable. Je l'ai vu plaider et tout plusieurs fois. Il est extraordinaire. Donc, on va régler nos affaires, moi et Wanted Pédo. D'autant plus que, bon, il y a des trucs que je ne peux pas dévoiler maintenant, mais je le Oui, ferai ouais. devant la juge d'instruction. Et bah, si tu veux, après le jugement, si jugement il y a, on fera une belle émission. Je raconterai tout ce qui s'est passé. Pas de problème. D'accord? Ça Non, marche. mais. Je trouve que bon, le mec, il fait 22 jours de prison pour soustraction d'enfant, d'accord? Accusé par un juge, par un procureur, soustraction d'un enfant de 4 ans qu'on a retrouvé 2 ans plus tard. Alors, en complicité avec une femme qui, je ne me souviens plus du nom. Et donc, soustraction d'enfant, c'est grave. Et l'enfant, il a été vendu pendant 2 ans à des pédophiles. On a retrouvé l'enfant, la femme est en contrôle judiciaire aussi. Elle a balancé Maxime et ça balance dans tous les sens de toute façon. Ça va se terminer mal cette histoire. Le mec qui se croit tout permis, on verra comment ça va se terminer. J'espère qu'il y a. Moi, j'ai toujours soupçonné certains magistrats de protéger les pédophiles, d'être pédophiles eux-mêmes. Voilà, aussi, il y en a. On en a arrêté Bah, quelques-uns. là où tu te rends à Dijon, c'est. Bah, tiens, il y a Saïd qui nous dit sur le chat, merci à toi frérot. Il dit c'est la ville où un juge et sa femme ont présenté leur fille de 12 ans pour prostitution sur le net. Ah ouais? Justement. Ouais. Et il a Ah, c'est reçu un ça. an de prison. Il a reçu un an de prison qu'il peut faire chez lui, avec sa femme et sa Ouais, fille en qui l'a mis sur bracelet. le net. Ouais, avec un bracelet, ouais. Putain, je rêve. Incroyable. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et lui, il habite à Dijon? Ce magistrat, oui. Enfin, après, je ne sais Non, pas s'il celui habite à qui Dijon. t'a dit ça, là, le gars Euh, de... je ne sais pas du tout. Donc, série de. Si tu habites à Dijon, manifeste-toi, Roya. Ah ouais, ce serait bien qu'il vienne devant le tribunal. Donc, ouais, Voilà. voilà. Et donc, toi, c'est le 31 mars, Voilà. tribunal de Dijon, à 9h, c'est ça? Exactement, 9h30.
Donc, s'il y en a qui veulent aller soutenir Gérard et qui sont pas loin, Voilà. n'hésitez pas, allez-y. Voilà, exactement. Ouais. Bah, parce qu'il faut bien qu'ils sachent que le combat que je mène est très dangereux parce qu'il y a trop d'argent dans ce truc. Ils sont capables de payer des tueurs ou des salopards, voilà. Et bon, moi, je vais là-bas tout seul, je ne peux pas avoir d'armes sur moi, je ne peux pas me défendre. Voilà, c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai peur de personne, mais si un mec il vient tout seul en face de moi, d'accord, mais s'il vient à 3, 4, voilà. Bien sûr. Tu sais, les pédophiles, comme ils sont maintenant, ils sont un peu poussés dans tout leur retranchement, depuis que j'ai gagné le procès contre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, et que l'avocat de Salim Laibi m'a dit, monsieur, vous avez créé un séisme dans le monde de la pédophilie, depuis que je me suis attaqué à tous les fils de pute, là, de Jack Lang. Et toute cette équipe de merde là, de Cohn-Bendit et de Frédéric Mitterrand, ben ils se cachent un petit peu. Et puis voilà, moi. Jack Lang, il a avoué dans une émission que tu avais raison, je crois. Exactement, Ça, il c'est a bien ma dit. Et il revanche. a dit, bah oui, il a dit, mais c'était des conneries de jeunesse. Voilà, Ouais. ça y est, il est Oh, normal, pardonné. Il a normal, normal. violé, il a même tué un Oui. enfant, ou je sais pas, on a retrouvé un enfant mort dans un sac de merde, dans un Ouais. seau de merde. Et il a été balancé par Olingre, qui est mort Moi, je vois d'ailleurs. maintenant. Ouais. Olingre, voilà. Et il a dit non, c'était des conneries de jeunesse, ça y est, ça suffit pour être pardonné, voilà. Putain, mais c'est grave, ce pays, j'arrive pas à le croire. Pour moi, c'est le premier pays pédophile du monde, hein, la France. Ah oui, mais C'est ici que clairement. tout se passe. Ah, mais Et clairement. dans mon Mais tome 4, je vais en parler, hein, et ça va être chaud, hein, ça va être bouillant même. Hein. Il y en a qui vont prendre. Bon, il y en a un déjà, il est en cavale. Il est en cavale en Thaïlande parce qu'il sait très bien que tôt ou tard je vais le balancer et qu'il va finir sa vie en prison. Là. on va taire les noms, on va laisser le suspense pour quand le livre sortira. On va Et laisser le parce que suspense. moi, ils m'ont tué mon enfant hein, de 8 ans, les pédophiles. Ouais. Après l'avoir violé pendant 5 jours. Ouais. Donc j'ai la haine de ces gens-là. La haine, tu sais, en prison, j'en tapais, hein. J'en tapais, hein. J'imagine. Mais je leur mettais des baffes pour pas laisser de marque. Et puis après, bah, je les questionnais, mais c'est toujours les mêmes réponses. Ils te disent tous, mais moi je leur donnais du plaisir, hein, mes petits-enfants. Tu donnes du Là. plaisir, Yaoul-Qahba. Tu n'as pas honte de parler comme ça, fils Incroyable. de pute. Je leur donne du plaisir. Oui, ils criaient de bonheur. Ah ouais, ils criaient pas de douleur peut-être. Voilà, Quand tu vas Gérard, voilà, niquer un enfant de 5 ans, tu. tu dis ça, Seren allait monter full mort direct. J'ai le Ah, mais sang qui a c'est. tourné là. Ouais. Mais imagine, si tu as des enfants, on te chope Ben ton oui, bien enfant. sûr. Un moment d'égarement et ton enfant, il a disparu. Oh. Moi, mes deux frères, ils ont été violés au Maroc par des pédophiles. Et pas forcément des Marocains. Hein. Il y avait beaucoup de militaires français qui violaient, hein, comme ils l'ont fait au Mali aussi. Donc voilà. Et ce n'est pas l'uniforme qui fait l'homme, il hein, faut pas croire. Et donc, voilà, moi j'ai la haine. Comme mes frères, ils sont devenus alcooliques toute leur vie. Toute leur vie, ils sont morts jeunes, à 48 ans, 50 ans, à cause de l'alcool, mais parce qu'ils ne pouvaient pas oublier qu'ils se sont fait violer plusieurs fois au Maroc. C'est horrible. Et moi, je connais beaucoup d'alcooliques, ils cachent bien leur jeu, ils ne veulent pas te dire pourquoi, mais je suis sûr que ces gens-là, quand ils étaient enfants, ils se sont fait violer. Et voilà, alors ils deviennent alcooliques et ils deviennent pédophiles à leur tour, et voilà, Alors, quoi, c'est. y a des gens dans le chat qui. Il y a Marwan Boukaka qui dit, appelle-nous, on les hachèque, on les baise, reste pas seul. Eh ben, je suis en train de te mettre ici, justement, l'Instagram et le Facebook de Gérard. Tu contactes dessus, donc si vous pouvez aller soutenir Gérard le 31. Eh ben, Sur voilà. Messenger aussi, ils me trouvent, Ah, Facebook, Messenger. ouais, S'ils veulent me soutenir, ben moi, ça me fera plaisir, je vois, parce que comme ça, je ne fais pas tout ça pour rien. Au moins qu'il y ait des gens qui sont reconnaissants pour ce que je fais, parce que je le fais gratuitement en plus, tout ça. Tiens, il y a quelqu'un qui dit. Voilà, on sera devant le tribunal de Dijon, outillé. Ah, ça fait plaisir, Allah. Là, tu Voilà. vois, ça me donne des forces pour continuer mon combat. Il y a des gens qui sont de mon côté, ça fait trop plaisir. Merci, les gars. Ah ouais. Viens te présenter à moi avant le procès. Mais essaye de me choper sur Internet, sur Instagram ou Facebook. Facebook Messenger. Comme ça, je vois ta tête, je te reconnaîtrai. Ah, ça me fait Voilà. plaisir qu'il y ait des gens comme ça, putain. Ouais, Merci à bah, merci toi, homme beaucoup. de l'ombre.
Comment dire, on arrive à la conclusion de ce direct. Moi, Gérard, je voudrais juste préciser une chose, parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, oui, tu ramènes un ancien trafiquant de cocaïne, Matachim, tout un truc Ah. comme ça. Voilà, moi, ce que je leur explique, je leur dis, à ce qui paraît, enfin, de ce que vous me dites, sur cette terre, il n'y a que Monsieur Gérard Fauré qui a un passé. J'ai un passé aussi. Shermin a un passé, Mehdi a un passé. On a tous fait des choses dans nos vies. On espère qu'Allah Azzawajal, il va nous pardonner si on fait les choses bien, si on continue, si on Bien se sûr, bien repose. sûr. Il y a un moment, il faut savoir se faire pardonner. Voilà, C'est-à-dire c'est que ça que moi, j'ai été, j'avoue, j'ai été possédé par le diable. Bon, voilà, je c'est le diable, c'est la cocaïne. Et veux puis à dire. un moment, je me suis rendu compte, et voilà. Et maintenant, je crois en Dieu et vraiment, Bien je sûr. suis content. Aujourd'hui, ta repentance, c'est justement de dénoncer ces gens-là et de lutter contre Exact, eux. Voilà, tu vois, exact, donc exact. c'est ça. Et regarde, tu vois, il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit, mon ex-mari s'est fait violer à l'âge de 14 ans, il a été mal toute sa vie. Mais Voilà, bien sûr, bien sûr. c'est Ça une laisse des lutte qui va séquelles. falloir. C'est suicidé, voilà, tu vois, subhanallah, Eh c'est oui, encore ben pire. oui, ben oui, ben moi, c'est mon fils et ma femme, et ils se sont suicidés parce qu'ils ont été violés à Paris par un grand fils de pute, c'est le Epstein Oh. français. Pendant 5 jours, ils ont été séquestrés. Tu vois, moi, je faisais confiance au mec. J'ai envoyé ma femme, elle voulait voir Paris avec mon fils. Enfin, ce n'était pas mon fils biologique, mais c'était mon fils adoptif, c'était le fils de ma femme. Et bon, ben, ils ont été séquestrés. Pendant 5 jours, ils ont été violés par 25 Saoudiens, Émiratis, parce que c'était dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. Et la cocaïne, ça y allait à tout va. Et il y a des Français qui ont participé. Et parmi un des 25 qui ont violé ma femme et le gosse, il y en a un qui a refilé le sida. Donc, ma femme, elle revient Aïe, en Hollande. On habitait à Rotterdam. Hein. aïe, Elle revient à moitié morte. Le fils, il pleurait, il pleurait. Il lui avait déchiré le cul. Il avait massacré les fils de pute, là. Et bon, après, ils ont eu le sida. Ils sont morts du sida pendant que j'étais en prison, voilà, en Ah, ça, 88. c'est... Ah ouais, ça, Ah non, c'est... mais moi, Tu vois? moi, si je pouvais, on l'a déjà qu'on rétablisse la peine de mort. Moi, je suis pour la Bien sûr. peine de mort. Pour des gens comme ça, Carrément. peine de mort, mais sans discuter. T'as violé un enfant, c'est fini pour toi. Parce que tu as tué cet enfant. Tu l'as tué, même s'il est vivant. Tu as tué son âme, tu as tué sa vie, voilà, t'as fait de lui un immense malheureux et tout, t'as pas le droit. Peine de mort, sans discussion. Putain, c'est la première chose que je rétablirai. Et pour terminer, ce que je disais, c'est que au-delà, voilà, du personnage, au-delà de ce qu'on peut trouver, par exemple, des fois de, moi, je trouve ça drôle, mais il y en a, ils te disent oui, ce qu'il dit dans ses livres. Moi, c'est des anecdotes qui me font marrer, moi, tu vois, parce que c'est des Ouais. anecdotes qui sont assez drôles. Mais pour moi, ces livres-là, c'est des livres qui sont d'utilité publique, qu'on doit Ouais. faire lire Mais peut-être dans exactement. des universités, parce que ça ouvre Et les yeux sur un monde qu'on ne ben connaît pas. bravo, tu as raison, Tu ouais, mais vois? ils veulent pas parce que ça C'est les ça le truc. dérange. C'est ça le Parce truc. qu'ils se sentent tous un peu touchés, un peu, voilà. Ils ont tous peur de moi parce qu'il y a des Sûr. sénateurs que je pourrais balancer, il y a des législateurs et tout. Mais tout viendra en temps voulu. Et tout, il y a plein de gens qui tremblent. Ils tremblent parce que moi, je sais beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup. Bien sûr. Et même ce que je sais pas, on m'informe. Ouais. Voilà. Par exemple, pour Bernard Tapie, avec son faux braquage, tout de suite, je l'ai su. Le mec est un flic hein, qui m'a tout de suite, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien que tu parles de ça, parce que je trouve ça un peu dégueulasse, ce qu'il a fait Tapie et tout. De son vivant, j'ai dit, Tapie, mais arrête tes conneries, arrête de faire du théâtre, là, c'est bon, là. Je sais que tu vas plus sur des scènes de théâtre, alors tu le fais chez toi, ton théâtre. Tu prétends que tu as été braqué, mais attends. Tu as un système de surveillance vidéo, tu as le meilleur système de France, un système qui coûte des centaines de milliers d'euros. Personne ne peut rentrer chez toi, même pas une mouche, sans qu'on la voie. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a quatre mecs cagoulés qui sont rentrés chez toi, ils sont passés à travers le système de surveillance et ils sont ressortis tranquillement et tout. Non, mais il faut arrêter, j'ai dit, faut arrêter de te foutre la gueule des Français. Maintenant, la chose est sérieuse, tu es malade, tu vas crever bientôt. Alors arrête tes conneries, arrête de faire chier les Français et de nous montrer la misère de ta femme qui a pris soi-disant des coups et la tienne, ton visage, tu méfiais, c'est faux. Et C'est rends-nous les effets l'argent. spéciaux.
Et rends-nous hein? l'argent surtout. Rends-nous l'argent. Rends-nous les 400 millions que tu as volés aux contribuables, Ahmar. Salope, ce mec, ce Bernard Tapie. Je lui ai dit, de son vivant, et après sa mort aussi, à titre posthume, je ne lui ai pas fait de cadeau. Là, ce n'est pas des chrysanthèmes que je lui ai emmenés, mais c'est des chardons avec des épines. Là, il ne mérite que ça. Et pour terminer, encore une fois, ce que je disais aussi, c'est que moi, ce que j'apprécie chez toi, Gérard, c'est qu'il y a beaucoup de pieds noirs, tu vois, qu'ils soient de ouais. parents français, ouais, de ouais. parents franco-algériens, marocains, qui ne parlent pas l'arabe, mais toi, tu parles l'arabe et t'en es fier. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Et un peu de chlèh, un peu de berbère. Ouais, un peu de chikhi, ouais. Un peu de chikhi. Ouais, bien sûr. Ben bah, oui, c'est, parce que moi, j'aime cette langue, moi, l'arabe, j'adore, surtout pour insulter. C'est merveilleux comme langue. Aïe, 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 qu'est-ce que je m'éclate avec les insultes. Non, mais c'est clair. Ah, c'est clair. Oui, surtout là. Non, mais moi, je ne m'appelle pas Mélenchon. Mélenchon, il est né au Maroc. Il a vécu à Tanger. Et quand on lui dit, vous parlez arabe, il dit, ben non. Le seul mot qu'il connaît, c'est Baba. Il a dit ça chez Hanouna, tu te souviens? Ouais, ouais. Dit, ouais Baba, ouais. Ça veut dire papa. Il n'a loin de dire que ça. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ça? C'est ça, parler l'arabe. Après, on dit. Il dit, ouais, non, mais à Tanger, j'ai appris l'espagnol quand même. T'as pas honte. Tu vas au Maroc c'est et tu dis que tu apprends l'espagnol au Maroc, que tu es là-bas et tout. Bravo, bravo, bravo. C'est une insulte aux Marocains, c'est une insulte à la langue arabe. Si tu vas dans un pays, au moins, essaye de parler au moins quelques mots du pays, même si c'est du chinois ou de l'indien. Mais là, non, il apprend l'espagnol à Tanger au Maroc. Bravo. Ouais. Il est content de lui en plus, il est fier à Maradek. Et en plus, ah bah oui, c'est un escroc de chier trop, ce mec. C'est une crapule, ce mec. Et il se dit communiste et il a quelques millions d'euros en banque. Ouais, bravo, les communistes voilà. d'aujourd'hui. Moi, je veux bien être communiste comme ça. Si tu me mets quelques millions en banque, moi, je suis le chef des communistes, gars. Ah ouais, ah ben ouais jour et nuit, je crie que je suis communiste. Donne-moi. Non, mais c'est tous des sales hypocrites, tout ça. On va conclure, parce que je ne vais pas te retenir plus que ça, Gérard, il est 23h. Ouais, oh, bah, moi, ça ne me dérange pas, tu sais, je suis bien là, comme ça. Ouais, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je suis claqué. Tu vois, encore une question, ouais. On est moins âgé que toi, mais moi, je suis bousillé, mais les enfants, laisse tomber, frère. C'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Wow, moi, je suis fatigué. Moi, je joue du, je suis fatigué. Je suis un grand fatigué de la vie. Moi, je suis un flemmard. qu'est-ce que je voulais dire? Alors, juste, je vais interagir un peu avec le chat. Eden, merci Ziad, toujours intéressant tes émissions. Merci aux invités au chat. Merci à toi aussi. Saïd, Ozig, Mesoud, Ziad, tu laisses le replay. Bien sûr que je laisse le replay. S'il doit disparaître, c'est YouTube qui aura fait son travail. C'est pas moi, hein, faut le savoir. Donc, voilà. On arrive à la conclusion. Donc, si Charmine et Mehdi, vous avez un. Dernière question ou un dernier truc à dire. Après, on va avec Gérard et Gérard qui conclut, moi je termine. Et on devrait être bon, Charmine. Bon, Charmine, contacte-moi si tu veux faire une émission. Hein. Moi, je ne me souviens pas que tu m'as demandé une émission. Mais vas-y, contacte-moi sur Facebook, Messenger, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, je n'ai pas Facebook. Ben, sur Instagram ou sur mon site officiel, gérardfort.com. Gérardfort.com. C'est sur mon site officiel. Tu m'envoies tous les messages que tu veux. Ou alors sur Instagram. C'est sur Instagram? Ouais, je suis sur Instagram. J'y vais pas beaucoup. Ben voilà, contacte-moi. Et tu veux faire une émission quand, comment? Moi, pour l'instant, là, j'en faisais pas parce que j'ai plein de trucs à faire. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de live ni quoi que ce soit. Quand tu voudras. Quand mais tu bon. Voudras, avec plaisir. Hey. Tu es nus comme moi, je ne vais pas te lâcher là. Attends, je te rends tous les services que tu veux. Quel séducteur, Gérard. Non, je ne suis pas dans la séduction, mais je suis dans l'admiration. Et tu as vu le visage qu'elle a, cette nana? Mais réellement ça. The B. Voilà le produit des colonies, on va dire. Comme elle. Rien à la classe. Elle est belle, voilà, beau visage et tout. Ah, Charmine, bravo, Alec. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de tomber sur une nana comme elle. Là. Bon, tu as une question, on pose. Ouais, si tu veux conclure, Charlie. Bah, en fait, on a oublié de parler de la RASD. Quoi ? Quand on parlait de la langue. C'est quoi la RASD ? La République, le Sahara occidental. Ah. Le Sahara. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Non, bah en fait, ça va être un peu trop long. Enfin, non. On pourrait se non, non, refaire tout vas-y, le vas-y, temps vas-y, du coup. vas-y. Si c'est trop Il long, faut on en peut se parler, refaire. il faut en parler, vas-y. Non, non, bah, après, oui, ça risque d'être trop long, ça risque... parce qu'en fait, je voulais savoir ta position par rapport à ça. Ah ben moi, je suis pour le Sahara marocain, mais alors je suis même prêt, s'il y a une guerre, moi je suis prêt à me battre pour que le Sahara reste marocain. Il a Marocain. toujours été marocain, c'est-à-dire il était, à la base, il était mauritanien. Mais il faut savoir que les Mauritaniens, ils sont allés jusqu'en France, les Maures. Les Maures, en France, quand tu vois Maure, Maure, ils sont morts, Morte aussi, ils ont laissé leur peau en France. Charles Martel, il s'est battu contre les Maures qui venaient de Mauritanie, pas d'Arabie Ah, Saoudite. C'est des c'était les Berbères. Almoravides. C'est C'était les les Almoravides Almoravides. et les Almohades. Ce ne sont pas des Saoudiens, ni des Qataris, ni des Zbé, ni des Nemé, comme on dit. Voilà. Moi, je suis pour la justice. C'est tout. Alors, moi, je ne comprends pas que l'Algérie, elle dit que elle veut prendre ce Sahara. Alors, il fait 300 000 km², c'est rien. C'est la moitié de la France. Alors que eux, les Algériens, ils ont au moins 1,5 million de kilomètres carrés entre le Ténéré, le Hogar et tout ça. D'accord? Alors, laissez tranquille les Marocains avec leur petit Sahara du tout. Non, ils ne les laissent pas tranquilles. Moi, voilà, pour moi, le Sahara, il a toujours été mauritanien, ça veut dire marocain. Parce qu'il faut savoir que le Maroc, avant, c'était la Mauritanie. Jusqu'à Tanger, on appelle la région de Tanger Mauritanie Tingitane. Ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? La capitale de la Mauritanie à l'époque, c'était Marrakech. En l'an 1050, c'était Marrakech. Donc voilà, ça a Fondé par toujours été le Sahara, ça a Youssef toujours. Ibn Tashfin. Comment? Fondé par le calife Youssef Ibn Tashfin, Ibn Tashfin, exactement. ouais. Donc il faut arrêter. De toute façon, maintenant l'affaire est réglée avec Trump et il a reconnu. Et puis maintenant, tout le monde va reconnaître. Ils sont obligés. On ne peut plus faire marche arrière. Ça y est, l'affaire est. Voilà. Israël a reconnu le Sahara marocain, Trump aussi. Ben voilà, après, les Français, tout ça, ils veulent, mais c'est l'Europe qui ne veut pas. Bon, je ne comprends pas. C'est une histoire comment te dire? C'est une histoire de con parce que il n'y a pas. Normalement, les gens, s'ils prennent les bouquins d'histoire et tout, ils vont voir que le Sahara marocain a toujours été marocain et avant mauritanien. C'est pour ça que Hassan II, quand il a récupéré le Sahara, il a dit aux Mauritaniens, je vous donne une partie, la moitié. Les Mauritaniens sont corrects, ils ont dit non, non, on a déjà trop de désert, laisse tomber, c'est bon, gardez. Voilà. Mais ça revenait aux Mauritaniens. Et Hassan II, il était correct, il a dit oui, prenez la moitié et nous la moitié. Mais ils ont dit non, on vous la donne. Alors pourquoi les Algériens, ils sont toujours à contester? Ils ont fabriqué un Polisario, parce que les Sahraouis, il n'y en avait pas avant. Il y avait deux ou trois mecs, trois pelés, un tendu, là, qui se baladaient dans le désert avec quelques chameaux, quelques chèvres. Ils posaient leur tente là où ils trouvaient une place, ils posaient leur tente là où ils trouvaient un peu d'herbe. Et c'est tout. Mais il n'y a pas eu de peuple Sahraoui. Il faut arrêter les conneries. Polisario, c'est quoi le Polisario? C'est une invention du pouvoir algérien, ça c'est tout, pour faire chier les Marocains. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être en paix avec l'Algérie et tout ça, et construire un Maghreb uni et tout, au lieu de se chamailler. Pour une histoire que, de toute façon, les Algériens, ils ont dépensé plus de 500 milliards en armes. Ben maintenant, ils vont faire quoi de leurs armes? Ils vont faire quoi? Ils vont se dresser contre qui? Il n'y a personne, il n'y a pas d'ennemi en face. Parce qu'ils n'oseront jamais maintenant attaquer le Maroc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a De toute l'Amérique qui façon, intervient et Israël qui intervient. Ils sont foutus. de toute Donc on façon, ne les entend plus. dans cette histoire, tant que les deux peuples, ils ont compris que c'est quelque chose de vraiment politique. Moi, le plus important dans cette histoire, c'est que le peuple. Chab a compris que Oui, Chab, il a compris. jamais le Mais peuple bien algérien, le sûr. peuple marocain, jamais s'ils rentreront en guerre l'un contre l'autre, ça c'est une évidence. Non, mais c'est le pouvoir qui veut ça. Parce que le pouvoir algérien, bon, je te dis, c'est des militaires à la base, ils aiment, là, c'est des va-t-en-guerre. Mais il faut savoir que chaque fois qu'ils font une commande d'avion ou quoi, ils prennent 10%. Alors imagine-toi la fortune qu'ils ont. Ils ont acheté pour 520 milliards depuis que l'Algérie existe. 520 milliards en armes. Prends 10%, ça fait 52 milliards. Voilà. Ils sont très riches. Voilà, ils sont très riches.
ils mettent la pression sur le peuple, les Hirak. Voilà, les Hirak, c'est des gens qui me comprendront quand je parle, ils ne vont pas m'insulter, ils vont me dire « t'as raison, t'as raison, t'as raison ». Moi, je ne veux pas de mal à l'Algérie. Moi, c'est un pays fabuleux, l'Algérie. J'aime bien les Algériens, alors j'espère qu'ils ne vont pas me critiquer parce que je dis la vérité, c'est tout. Moi, je les attaque pas, je n'attaque pas le peuple algérien, j'attaque ceux qui les gouvernent et ceux qui suivent les gouvernants. C'est des imbéciles, c'est qu'ils n'ont rien compris ou c'est des masochistes, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Comment tu peux accepter que ton pays regorge de pétrole et de gaz et toi tu crèves la faim et on te donne des salaires de 200-300 euros par mois quand tu travailles? Faut arrêter. Que tu sois obligé d'aller nager et prendre le risque de te noyer dans la Méditerranée pour un morceau de pain que tu ne trouves pas dans ton pays, alors que les Saoudiens, ils ont du pétrole, tous les pays du Golfe, ils ont du pétrole, et tout le monde vit bien. Regarde Kadhafi, il avait du pétrole. Tout était gratuit dans son pays. Tout. La télé, l'électricité, l'eau, même les voitures, tu achetais. Ils payaient tout là-bas. Voilà. Eh bien, l'Algérie, elle a autant de pétrole que la Libye. Et voilà, et pourtant, ils vivent mal. Ils sont obligés d'émigrer, de se sauver, de quitter ce pays à la nage ou autrement. Non, voilà. C'est merci moche. À toi, Gérard, pour cette réponse. Il n'y a pas de quoi. Hein. J'ai terminé pour la quoi. Question. Après, Merci, il y a aussi ce côté où ils voulaient récupérer aussi les richesses. Il y avait du phosphate aussi au Sahara. Où ça ? Ah ben, il y a trop de phosphate, mais le Maroc, c'est le premier producteur de phosphate du monde. Non, oh ben les Espagnols, ils ont plus rien à voir. Écoute-moi bien. À l'époque, maintenant, je sais que ça ne va pas faire plaisir au pouvoir algérien. Le Maroc risque de devenir un des pays les plus riches du monde. Du monde. Tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? On ne se voit plus. Parce que dans le Sahara, c'est pour ça que le pouvoir algérien convoite le Sahara. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des nappes phréatiques qui sont à ras-bord, pleines. Et les Israéliens, ils ont dit, ils se sont installés hein, dans le désert maintenant du Sahara. Les Israéliens, ils ont dit, on va vous faire la même chose que le désert du Negev, c'est-à-dire on va faire pousser des fraises, de tout, des salades, des tomates et tout. Le Maroc va devenir le premier pays exportateur de produits agricoles bientôt. Il est déjà pas loin, un peu après l'Espagne, mais il va devenir un grand exportateur de pétrole, de gaz et du phosphate en plus, il y en a. Et après ça, il faut savoir aussi que la terre du Sahara, elle est propice à la culture de stevia, le sucre synthétique. D'accord ? Moi, quand j'étais en prison en 2004, j'étais avec un juif en cellule, très sympa, Belfond, c'était les éditions Belfond. Il était là pour blanchiment d'argent, de la drogue et tout. Et lui, il a acheté 2000 hectares au Sahara. Il m'a dit, viens t'installer là-bas, c'est le futur là-bas. Il m'a dit, c'est un pays qui va devenir très riche, le Sahara. 2000, il plante du stevia là maintenant, il a gagné des milliards avec le Sahara. Et après, il faut savoir que Boeing, ils ont trouvé un produit qu'on peut mélanger avec le kérosène, un peu genre éthanol, tu vois, et qui ne pousse que dans le Sahara. Oh oui, et là, ils ont planté des dizaines de milliers d'hectares. Ça va faire la richesse du Maroc. Après, il y a la pêche. Et puis, alors, il y a ce que, la cerise sur le gâteau. C'est que depuis que. C'est pour ça que je dis bravo quand même au roi du Maroc, quand il a utilisé la loi qui dit que quand il y a la mer, tu as. Si c'est une île, elle a 20 miles, je crois, 30 kilomètres en mer, ça lui appartient. Mais là, quand c'est un pays, c'est 300 et quelques kilomètres. Dans la mer, qui appartient au Maroc maintenant, ça a été annexé. Donc voilà, sur 300 kilomètres. Et c'est les Anglais qui ont dit à l'oreille des Marocains, parce qu'ils n'aiment pas les Espagnols, ils leur ont dit, dépêchez-vous d'annexer les 350 kilomètres, parce que pas loin de la côte espagnole, les îles Canaries et tout ça, il y a, et ce sera dans votre territoire si vous annexez ça, il y a ce qu'on appelle un mont qui s'appelle le mont Tropique et qui fait 30 km de long sous la mer.
Et dans ce monde tropique, on trouve ce qu'on, un métal qui s'appelle, je crois, le sélénium ou un truc comme ça, qui sert à faire les voitures électriques, les téléphones et tout. C'est une fortune immense. Il n'y a que la Chine qui produit ça pour l'instant. Et le Maroc, il va être le premier producteur de ça. Et on va, ils vont trouver de tout dans, la, dans l'Atlantique. Ça va devenir un des pays les plus riches du monde. D'autant plus que maintenant, bon, les Français, ils avaient commencé à construire des fours solaires. Il y a des, il y a de tout maintenant. Il y a de tout au Maroc. C'est un pays extraordinaire, extraordinaire. Ils vont vers, la, vers l'avenir. Voilà, au lieu d'acheter des armes. Bon, ils ont été obligés d'acheter des armes pour se défendre contre les voisins. Mais j'espère qu'ils n'auront pas utilisé. Non, voilà, qu'on restera tous en paix parce que ça n'arrange personne la guerre, personne, personne, surtout entre Algériens et Marocains. Ils devraient se serrer la main et construire un Maghreb. Putain, mais il y aurait, je sais pas moi, Algérie, Maroc, Tunisie, si les gens n'ont pas peur d'y aller et tout, il y aura au moins 50, 60 millions de touristes là-bas. Tout le monde serait, voilà, il y aurait du boulot et tout. Pour l'instant, c'est un peu faussé par, voilà, par nos voisins qui ne sont pas très gentils. Mais ils s'en foutent, les Marocains, maintenant. Ils ont ce qu'il faut. Israéliens, Américains, le Sahara. C'est un pays qui est voué à la richesse. Mais grave, mais grave. L'Arabie Saoudite, elle va pleurer devant le Maroc. Moi, j'ai une question, ouais. Gérard. Tu as toujours la nationalité marocaine, tout ça? Non, je ne l'ai pas demandé, mais je pourrais. D'accord, ok. Mais maintenant, pour en revenir à la Tunisie, elle va devenir très riche aussi. Dans le golfe de... Merde. Oui, il y a du pétrole. Plus de gaz qu'au Qatar. C'est écoute, pour te dire la richesse. Ils sont en train, ils vont l'exploiter. Et la Tunisie, ils ont beaucoup d'avenir devant eux aussi, avec le gaz et peut-être du pétrole. La Tunisie, elle a été freinée ces 10 dernières années par le parti Ennahda, tu vois, qui ont... Oui, Ennahda, mais il n'y a pas que ça. Il y a la Chine aussi. Oui, ouais. Voilà, maintenant, ça revient. Il y a le Qatar aussi. Ça revient. Les grands couturiers français et tout, et même d'autres, ils reviennent en Tunisie parce qu'ils travaillent très bien dans le textile et tout. Ils sont très forts. Oui, donc, Tunisie, maintenant, ça revient. Ça. La délocalisation, elle se re... Attends, j'arrive pas à le dire. Elle se relocalise en Tunisie et au Maroc. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'Ennahda, il a foutu un peu la merde. Ils ont perdu 2 ans. Voilà. Mais ils ont été quand même élégants et corrects. Ils n'ont pas fait d'histoire. Ils ont dit, ouais, on a été nuls. On n'a pas assuré. On avait promis, on n'a pas fait. Voilà. Ils ont dit, maintenant, allez, hop, nouvelle élection. Ça s'est passé avec beaucoup d'élégance. Maintenant, par contre, là, c'est un nouveau dictateur qui est pire que Ben Ali, qui est au pouvoir. Mais je crois qu'ils ont besoin un peu de ça aussi, les Tunisiens, un peu de dictature. Il y a eu la dictature de Bourguiba, la dictature de Ben Ali. Bourguiba, pour moi, ce n'était pas vraiment un dictateur. Mais Bourguiba, c'est comme Macron, en fait, c'est pareil. Il n'a pas été projeté par les Américains ou pas, non. Bourguiba, c'était un homme bien. C'est quand même la franc-maçonnerie, mais... La franc-maçonnerie, elle est partout, ne crois pas. Oui, bien sûr. Tous, il n'y a pas une exception parmi nos élites, voilà, parmi nos gouvernants, nos politiques, ils sont tous, c'est obligatoire, c'est un passage obligatoire. C'est le baccalauréat de ces gens-là. S'ils ne passent pas par la franc-maçonnerie, ils vont nulle part. Ils n'ont accès à rien du tout. Mais bon, après, on s'en fout. L'essentiel, c'est que quand même, c'est Bourguiba qui a construit la Tunisie. C'est lui qui a fait des lois très modernes. C'est lui qui a donné l'égalité aux femmes et tout. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Les Marocains, ça fait pas longtemps qu'ils ont donné l'égalité aux femmes au Maroc. Alors que la Tunisie, c'est depuis l'indépendance. Les filles, elles sont libres. Et puis les femmes tunisiennes, bravo. Hein. C'est des vraies femmes. Hein. Bah. Ah, moi, j'admire. Ouais. Maintenant, au Maroc aussi. Mais les femmes algériennes sont très bien aussi. C'est des femmes, c'est pas des crabes déjà, c'est des femmes sérieuses. Ah, tu peux te fier aux femmes algériennes. Ça, c'est vrai. J'avoue qu'elles sont belles en plus et tout. Elles sont intelligentes et elles sont fidèles et tout. Voilà. Il suffit de voir. Les Tunisiennes, il faut faire attention. Hein. Quand tu as une femme tunisienne ou marocaine, regarde bien autour de toi, Sabi, parce que si tu laisses 10 minutes, tu la laisses en liberté, bon, allez,
Ah là là, elle va te Ok, mettre une paire de pommes comme pas possible. Voilà. Pire, pire qu'un cerf. Mehdi, Voilà. si tu veux conclure, frérot. Oui. Bah écoute, moi je voulais d'abord Vas-y, on t'écoute. pour l'Algérie et après je voulais poser une question sur à Gérard Fauré. Dans un premier temps, moi je voulais dire que bah l'Algérie, en effet, c'est ni le Maroc ni la Tunisie. On en a déjà parlé plusieurs fois avec Ziad sur sa chaîne Ouais. et même on va dire individuellement. On en a déjà parlé ensemble. En effet, on n'a pas développé le tourisme, c'est vrai, en Algérie. Dommage, Tu l'as dit, parce qu'il y a de quoi, il y a de quoi faire, hein. y a de quoi faire. Moi, personnellement, après, moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché comment dire, À ton à pays. mes valeurs, à ma, Ouais. bah, surtout aux valeurs, et à la, aux valeurs de l'Algérie, donc qui sont d'abord des valeurs religieuses, islamiques. Et ce que je crains notamment par comment dire Par le à tourisme. travers le tourisme, ouais, à travers le tourisme, c'est que ces choses-là finissent par disparaître petit à petit. Non, non, non. Tu as Car l'exemple du Maroc où la religion est respectée, tout et tout. Ça bah, n'a il y a deux aucun. Marocs, Gérard. Moi, j'ai été aussi plusieurs fois au Maroc. Il y a deux Oui, Marocs. il En y a le effet, Maroc y touristique et a le un Maroc Maroc, profond. il y a un Oui, je Maroc sais. touristique. Ouais, il y a un Maroc Ibiza. Il y a un Maroc Marrakech. Les grandes métropoles, notamment un côté, on va dire, très libéral, etc. Et on a en effet un autre Maroc où les gens vivent assez humblement, Oui, mais alors, etc. tu vois ce que tu dis? Ben justement, c'est un test. Si tu es un vrai musulman et tout ça, tu te laisses pas embrouiller par tout ça, mon pote. Je suis désolé. Tu passes à côté. C'est tout. Non, je suis C'est pas le d'accord. test. On est forcément influencé par la société. Je suis pas d'accord là, franchement. On est Oh, forcément pourquoi influencé par. influencer? Pourquoi influencer? Si, Bah. non, si tu crois en Dieu, tu restes avec Dieu. C'est pas un Allemand qui va venir te perturber dans ta croyance, non, ou un Allemand ou un Chinois. Je suis désolé. Non, mais Non, il faut aussi voir que au Maroc, par exemple, les touristes sont plus ou moins cantonnés. Ils ne fréquentent pas trop le petit peuple et tout. Ils sont dans des hôtels de luxe et tout. À Agadir, voilà, ils ont des endroits où ils vont, mais voilà, tranquille, ils se mélangent pas trop au peuple. Donc, ils Bah n'ont non, pas excuse-moi Gérard, pardon, d'impact. les femmes marocaines, par exemple, quand on prend les jeunes, des jeunes filles, moi ça je l'ai vu de mes propres yeux, qui accourent de toutes les villes, par Je exemple, suis d'accord avec toi, je sais ce que qui tu vas me viennent de dire. petites villes, de Safi, des Saouira, etc., et Ouais, qui vont ouais, vers ouais, ouais. Marrakech pour aller se prostituer, je suis désolé, on ne peut pas Exactement, mais dire il qu'on faut est plus obéi remercier ou les pas touché. Saoudiens. Il Oui, faut voilà. remercier les Saoudiens pour eux. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de prostitution avant que les Saoudiens s'installent, mais Ça quand s'est ils sont venus banalisé, ça s'est s'installer en démocratisé. masse, ils ont déjà augmenté les prix et ils ont fait, ouais, comme tu dis, des filles qui venaient de partout. C'était la ruée vers l'or. C'est eux, vraiment, il faut les maudire. Et pourtant, les Saraniens, ils se disent, les Wahhabites, là, ils se disent très religieux, mais quand ils quittent Oui, bon, ouais. leur pays, Ouais. c'est le whisky, c'est le Tout à halouf, fait, c'est tout à les fait. putes, c'est la Tout à fait. drogue, c'est tout, vas-y. Alors, C'est c'est de clair. l'hypocrisie, ça. C'est clair, c'est clair. C'est clair, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant, parfois je me dis qu'en Algérie, on a eu une histoire difficile après la décolonisation, si on peut parler de décolonisation encore une fois, avec la décennie noire, etc. Mais je me dis que le point positif de tout ça, justement, c'est qu'on n'a pas on n'a pas sombré dans la déchéance. Cela dit, la seule chose que moi je peux déplorer en Algérie, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas pu suffisamment développer les infrastructures du pays, le fait qu'il Exact. y a un manque. Et ça, je pense que voilà, moi, européen pour travailler convenablement, je pense que si les gens étaient motivés et qu'ils n'avaient pas la tête ailleurs, on pourrait se concentrer sur notre pays et développer beaucoup de choses. En effet, comme le disait Ziad tout à l'heure aussi, pourquoi pas encourager la jeunesse immigrée, la À diaspora algérienne, revenir. à revenir pour essayer de Oui, développer avec ce aussi leur qu'ils ont pays. appris ailleurs, ouais, bien sûr, c'est ce que Tout je à dis. fait, tout à Bah fait. oui, mais tu veux les encourager comment, toi? Il n'y a pas de Eh travail. On bah leur dit, ouais, non, je suis venez, on d'accord. va vous Bah, donner en le les laissant chômage. travailler déjà. En les laissant travailler déjà. En les laissant Bah, il travailler. faut trouver, il faut qu'il y en ait du travail. Ah, mais tout est à faire et à refaire en Algérie, hein. Eh Il ben y en a oui, du travail, hein. rappelle-toi l'histoire de Boumediene avec les usines clés en main.
Il a acheté des usines très chères aux Russes, clés en main. Elles sont en train de rouiller. Par exemple, pour donner un seul exemple, ils achetaient une usine de pâte à papier. Bon, une usine de pâte à papier, normalement, il faut qu'il y ait une rivière qui passe à côté. C'est comme une centrale nucléaire. Eh bien non, ils mettaient une usine de pâte à papier dans un village et tout ça pour développer, mais il n'y avait pas d'eau. C'est Gérard, il n'y a pas d'usine de production de voitures en Algérie? Si, il y a Renault, il y a Peugeot. Non, c'est des usines de montage. Ils ne produisent pas. Oui, de montage, eh ben, c'est déjà pas mal. Oui, mais on ne produit pas de voitures en Algérie. Il y a une pénurie de voitures en Algérie actuellement. Ben moi, je sais qu'il y a Renault, il y a Peugeot qui produisent quand même dans les 400 000 voitures par année. Hein. C'est des montages, c'est des montages. Ils sont produits en France et on finit. Il y a des finis. En fait, quand je te dis des montages, ils montent les volants, les roues en Algérie. Enfin, c'est vraiment des. Ben c'est déjà pas mal, ça donne du travail. Oui, ah ben oui mais ils n'ont pas su faire comme le Maroc. Le Maroc, c'est lui qui fournit presque toutes les pièces de Boeing, de Airbus, par exemple. Tu vois, ça rapporte gros au Maroc. Gros de chez gros. Ils fabriquent les pièces là-bas et tout, Airbus, tu te rends compte? Et beaucoup d'autres choses. Ils font des fours solaires pour l'énergie, des fours solaires sur des kilomètres. Il y a ça, il y a des éoliennes partout, et ils replantent des arbres un peu partout et tout pour l'écologie, c'est formidable. Et puis il y a des autoroutes partout, il y a 15 TGV, là, tu fais Tanger Marrakech en quelques heures, avant il te fallait quelques jours. Non mais bravo! Nous, il y a une autoroute Est-Ouest qui a été faite, mais par les Chinois par exemple. Oui, ben ça veut dire que dans quelques années, elle est foutue, quoi. Elle est pleine de trous et tout. Raccommodage, il faut rafistoler. Mais c'est ça, les Chinois. Hein. Ils te font du travail vite fait, mais pas bien fait. Et après, ben, c'est beau hein, quand ils te disent, voilà, on a fini. C'est comme les immeubles que Bouteflika a fait construire un peu partout, des villes entières. Ils sont en train de tomber en désuétude. Ils tombent en morceaux. Le travail chinois, c'est de l'art baroque. Parce que quand tu viens en dessous, tu remarques qu'en fait, c'est une arnaque, le truc. Bien sûr, mais comment ça se fait? S'ils travaillent, s'ils le font, c'est parce que les Algériens ne veulent pas le faire. Il y a le problème. Voilà. Ils ont fait venir 150 000 Chinois ouvriers alors qu'ils ont des millions de chômeurs. Moi, je trouve ça aberrant. Comment ça, tu fais venir des ouvriers chinois qui ne font rien gagner au pays parce qu'ils vivaient en autarcie entre eux, ils faisaient venir tous leurs produits de Chine et tout. Ils ne dépensaient pas un euro là-bas en Algérie, rien. Voilà, tout venait de Chine. Ils ont laissé derrière eux des routes pourries, des ponts pourris, des sites qui vont tomber bientôt en ruine. Et voilà, ça c'est Bouteflika qui a fait ça. Ben, c'est honteux, c'est tout. Moi, je ne comprends pas ce pays, j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas. Ils sont pas d'accord. Tu as vu la guerre civile, il y a eu plus de 250 000 morts et tout. C'est un drôle de pays. Bon, déjà, la Kabylie, elle veut sortir de ça. Elle veut sa république et tout. Ça va finir mal. C'est pas possible. Ou il faut qu'ils lâchent du lest. Il faut qu'ils investissent. Il faut qu'ils ouvrent toutes les portes et qu'ils arrêtent d'être durs et méchants comme ils le sont. Là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Un peu moins de nationalisme. Il faut se calmer un peu avec le nationalisme. Il faut penser d'abord à nourrir sa famille. Excuse-moi, Gérard, j'avais une question sur l'anecdote que nous avais racontée tout à l'heure, moi qui m'a assez heurté. Sur, c'était ton fils adoptif quand tu as parlé de viol, c'est ça? Ouais. De plusieurs Saoudiens qui étaient impliqués, etc. Moi, j'ai une question. C'est en fait, comment ce type d'affaires, parce que moi, j'en ai jamais entendu parler personnellement, comment ce type d'affaires ne sort pas comme ça au grand jour, et comment ça se fait que les gens qui sont impliqués dans ce type d'affaires ne sont pas condamnés? Ah ben si, il a été condamné, je l'ai balancé. D'accord. Le commissaire du 8e arrondissement, il est en prison, là je crois qu'il est sorti maintenant, il a pris 8 ans. Mais moi, quand je suis venu en France pour porter plainte et tout, boum, on m'a mis en prison, j'ai pris 15 ans de prison. Voilà, ils se sont débarrassés de moi. Mais oui, parce que le commissaire là, du 8e, il protégeait tous ces gens-là. C'était un pédophile lui-même. Et puis, il touchait. Parce que le mec qui a organisé ça, le Epstein français, il avait un hôtel 5 étoiles. Et c'est là qu'il recevait que des Émiratis, que des Arabes du Moyen-Orient bourrés d'oseille. Moi, je le fournissais en cocaïne, 500 grammes par semaine, 2 kilos par mois quand même. Et lui, il la revendait aux Saoudiens au double. D'accord. Mais après, il leur vendait des enfants
qui dormaient en haut, là, dans les petites chambres de bonne, et des enfants à gogo, la cocaïne et tout. Et puis voilà, quand mon fils est arrivé avec ma femme qui était très très belle, ils sont tous passés, toutes les chambres, ils sortaient de leurs chambres, tout ça pour aller baiser. Et ça a duré 5 jours. Voilà. Et après, je parlerai de ça dans mon tome 4. Oui, ouais. Un peu pour oui, oui c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Donc finalement, ils ont été condamnés. Ouais. Le commissaire, parce que quand je suis sorti de prison, je l'ai balancé. Voilà, le commissaire. D'accord. Il a été en prison, okay. Oui, il a été en prison. Je lui ai bien niqué sa race, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que le Epstein français s'est sauvé direct, en Thaïlande, direct. Ah ouais, il a eu peur et il est en cavale. Voilà, il est en cavale. Peut-être qu'il, je ne sais pas s'il est mort ou pas, parce que maintenant il est âgé. Hein. Voilà. Il doit être protégé aussi. Malgré un peu moins, parce que... Ça, c'était l'époque Mitterrand. Hein. Mitterrand, c'était le grand, grand protecteur des pédophiles. C'est vrai, ça. De Jacques Lang et toute la saloperie. Ouais. C'est vrai, exactement. Bah, si la peine de mort a été retirée, c'est Mitterrand pour protéger les pédophiles. Eh bien, on est d'accord. Parce que, j'ai dit ça à la dernière fois, un anti-peine de mort. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, bon, vas-y, va manger des cacahuètes. Moi, je suis pour le rétablissement, mais immédiat, de la peine de mort. C'est tout. T'as tué, on te tue. Point barre. C'est pas de pitié. Je signe avec les deux mains. Pareil. Ah ben, je pense qu'on est tous d'accord. Peut-être Charmine, non hein. Si. Si, bon, Charmine, elle est d'accord pour la peine de mort. Elle répond. Ah, je suis pour la loi du talion, moi. Ah ben, c'est ça. Par rapport aux enfants, ouais. Franchement, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Moi, je suis pour la double peine de la loi du talion. Moi, c'est pour... Alors, œil pour œil, moi, je donne 2 yeux pour un œil et toutes les dents pour une dent. Voilà. Tu me casses une dent, je te casse toutes les dents. C'est, voilà, comme c'est ça, c'est réglé. Surmultiplié. Comme ça, c'est réglé. Et Gérard, comme ça, c'est réglé. Allez, on va Gérard, se dire bonsoir. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'était... Bah, on en fera d'autres des émissions, t'inquiète. Ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Et je rappelle... Cas, après le tribunal, là, le 31, on va en faire une si tu veux. On va parler de ce qui s'est passé. Moi, je trouve un peu louche qu'on ait accepté la plainte et tout, quand on sait qui il est. Bon, je trouve ça louche. On verra bien. Bah justement, j'en profite. Ouais, j'espère qu'à travers cette émission... beaucoup de gens viendront devant le tribunal, même pour protester, parce qu'il n'y a pas de raison. J'attaque le plus grand pédophile de France et on me met moi en examen. Non mais attends, c'est des malades. Hein. Bah, le 31 Après, mars. Je suis content de passer devant un tribunal, parce que là, je vais pouvoir le salir encore plus. Moi, j'en ai rien à foutre. Ils mettent de la prison, j'y vais demain, tranquille. J'en ai rien à foutre de la prison. J'ai fait 18 ans de prison. Ce n'est pas 6 mois ou 1 an qui vont me faire peur. Après l'amende, ils viendront la chercher dans mon slip. She's the bitch. Ils vont me piller l'amende. Je vais dire, viens la chercher. Ah, j'ai le mot, viens. Viens le chercher d'abord. Je baisse mon slip. Je lui dis, add mon slip B. Après, je te donne l'argent. Suce-moi bien. Fais-moi une belle fellation. Nadik. Plus je suis resté très berbère, très marocain. Moi, je suis marocain de cœur et français de papier. Hein. Vas-y, j'emmerde Macron et compagnie s'ils ne sont pas contents. Je dis ça comme ça. Je suis un produit des colonies. Mon père, il a fini général dans l'armée française. On l'a assassiné au Maroc. La France, elle n'a pas bougé un doigt. Elle l'a laissé mourir. Elle l'a laissé se faire empoisonner au Maroc. Voilà. J'en parle dans mon tome 3, là, l'éducation d'un voyou. J'explique pourquoi mon père, on l'a laissé se faire assassiner, empoisonner. Voilà, parce qu'il en savait trop. Il a balancé Big Pharma, il a balancé tout le monde, il a balancé le roi même. Et ben voilà. Et la France, elle n'a pas bougé une oreille. Rien. Ouais, bon, allez, on arrête là, c'est bon. Ouais, je rappelle. Donc, ce premier livre, Digger tout Paris, les fournisseurs des stars parlent. Il y a le deuxième. Le prince de la coque, c'est la suite. Du garde du tout Paris, la suite. Et le dernier qui est sorti, voilà, l'éducation d'un voyou. Du garde du tout Paris. Voilà. C'est le meilleur. Il est extraordinaire, ce livre. C'est une perle. Et puis, n'oublie pas mes slams. C'est vraiment des poèmes qui sont. Ce que j'allais dire, vous avez le site
Ouais, le site qui est en train de défiler en bas, gérardfort.com. Voilà, Ouais, c'est ça. Attends, c'est où www.gérardfort.com. là? Je vois pas. C'est en train de défiler juste en bas, là. Depuis le début de Voilà, l'émission, c'est ça ça, c'est défile. ça. Très bien, très bien, très bien. Et pour Bravo. joindre Gérard Forêt, vous avez Facebook, Messenger, voilà, et Instagram, Facebook, Gérard Forêt, tout simplement. Instagram, oui, c'est ça. Voilà. Donc, bah oui, voilà l'islam et puis les livres audio. Ça, c'est Livre audio, ouais. formidable, le livre audio. Ouais. Et en plus, moi, je vais faire le troisième avec ma voix, mais les deux premiers, ils sont faits avec la voix de mon manager, là. Yes. Formidable. Il a une voix et puis vraiment, il le fait très, 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 très bien. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier à lire, voilà, comme Mais tu des sais, conneries. on m'a parlé de ça, parce que moi j'ai écrit deux livres aussi, tu vois, on m'a dit tu Ah devrais ouais. les faire. Hein. Ouais. On m'a dit tu Eh ben, devrais tu les les faire fais en audio, c'est bien en l'audio. audio. Et Parce j'y que réfléchis, ouais. les routiers, par exemple, les routiers Ouais. qui n'ont pas le temps de lire, C'est mais vrai. ils mettent ce truc à côté, ils roulent tranquille, ils écoutent ça. Voilà, les routiers, il y en a au moins 100 000 routiers en France. Pas croire. Mais entre les routiers belges, suisses et tout, il y a de la vente à faire. C'est vrai. Donc, essaye de le faire. Si tu veux, Philippe, il te dira comment il faut faire. Non, j'y réfléchis la dernière fois. T'en reparles là, ça C'est me remet quoi un les peu. bouquins que tu as écrits là? Moi, j'ai écrit sur Autopsie du musulman en France. Ça pourrait marcher, ça. Ouais. Et le deuxième, c'est le maghrébinisme. En gros, c'est la mentalité des maghrébins de France. Toutes les tares, tous les. Tu vois? Ah ouais, ça, c'est des bouquins formidables. Ah ouais, j'adore. Rien que les titres, ils sont très évocateurs. Je t'enverrai un lien si tu veux voir un peu à quoi ça Oui, ressemble. bah, appelle-moi au téléphone qu'on puisse en Ouais, parler, parce que pas là, de je crois souci. qu'on emmerde le monde maintenant. On est Non, trop. non, ça s'appellera demain ou non. Je suis fatigué même Ok. moi. Les gens du chat, je vous remercie de votre patience. C'est vrai que les sujets au Bonsoir à début. mon petit poupoule. Hein? Ça c'est la petite. Il y a l'autre, la Hatay, là. C'est Lui, quoi les c'est. prénoms? C'est quoi leur prénom? Alors, elle, la petite là, c'est Bianca. Bianca. C'est une naine, elle est toute petite. Et Ouais. lui, là, lui, c'est Lindo. Lindo. Allez, montre ta gueule, connard. Regarde. Ouais, Allez, montre, vas-y. Regarde. Lui, c'est un gros, hein. lui, ça se voit, c'est un bœuf, c'est un petit Ah, malin. mais c'est une intelligence et un amour, mais tu peux pas savoir. Ouais. Ça, quand t'as ça, t'as tout, quoi. C'est une Grave. mignonne, ça, c'est mon. Ça, c'est mon bonheur, ça. C'est mon bonheur. Bon, les Voilà. gens, je vous dis à bientôt. Gérard, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'était très Ah, le enrichissant. plaisir était pour moi aussi, hein. On Attention, moi aussi, je te remercie. en refera une avec plaisir. Sur ce, les gens du D'accord. chat, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus tard. Ciao. Et surveillez vos enfants. Attention, il y a des Exactement. prédateurs dans la société. Beaucoup de prédateurs, plus qu'on le pense. Exactement. Merci à toi, Gérard, Allez, de bonne ce très bon soirée. Ciao. conseil.